Au top à tous, au top à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous qui vous connectez à l'instant. Merci à ceux qui partagent le live. Merci à ceux-là qui vont identifier les autres. Merci à vous encore une fois. Merci pour tous vos efforts. Bonsoir Georges Dina. Bonsoir Fantomas Tarzan. Toujours la même équipe au rendez-vous. Partagez, 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 invitez les autres. Bombardez les likes, bombardez les cœurs. Invitez les autres. On va discuter pendant quelques minutes. On va discuter pendant quelques minutes. Alors, il est important ici de rappeler à quelques combattants que je suis Bertie le Kamit. De mon vrai nom, Sikadi Bertrand, et de mon titre, n'est-ce pas, d'honorabilité, que j'ai pu obtenir suite à tous mes efforts, n'est-ce pas, et tous mes sacrifices pour non seulement l'éveil des consciences, mais surtout, n'est-ce pas, pour la valorisation de mon patrimoine culturel et cultuel du peuple Bamileke. Donc, je suis d'un autre côté appelé Mumbe Sombumbon. Ce n'est pas pour rien qu'on me donne ce titre-là, n'est-ce pas? Parce que je suis quelqu'un qui se bat pour valoriser notre patrimoine. Et il est important de rappeler ici aux uns et aux autres que cette lutte, je ne la mène pas seulement aujourd'hui, ou du moins à partir de 2018 avec l'arrivée de Maurice Kamto aux élections présidentielles. Je fais des précisions ici importantes pour que certains comprennent que Sikanti Mumbe Sombumbon n'est pas n'importe qui. Je rappelle ça à quelques petits activistes, quelques lilliputiens, quelques nénuphars que je vois qui s'agitent sur les réseaux sociaux, qui font comme si j'étais leur camarade. Jusqu'à dire que je n'ai pas d'amis dans le combat. On vous a dit que moi, je viens chercher les amitiés dans le combat. Que si je voulais avoir des amis, je veux me faire des amis qui aujourd'hui disent une chose, demain ils disent le contraire. Aujourd'hui, on ment. Demain, sans revenir sur son mensonge, sans présenter ses excuses, on invente un autre mensonge. On se positionne autrement. Après, on revient sur ce qu'on avait dit. Cette instabilité-là, je ne joue pas avec ça. Bonsoir David Tekombo, Julio Cam, bonsoir, bienvenue. Salut Raoul Ives, salut Thierry T, salut Dikamer. C'est important de le préciser. Je suis un homme de principe. Je suis un homme qui a des valeurs et je ne traîne pas avec la racaille. Que ça vous dérange, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas. Je le dis ici depuis des années. Pour que je fasse même ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, que j'arrive même à publier mon livre « Folie et calvaire des migrants », j'ai dû faire un certain nombre d'efforts. C'est-à-dire, je me suis éloigné de la racaille que j'ai connue dans mon parcours de beaux aïeurs, du Cameroun jusqu'en France. J'ai connu beaucoup de gens en route. Vous imaginez le nombre de personnes qu'on peut connaître en route dans le Boza. J'ai connu beaucoup de gens. Mais au bout d'un moment à Paris, je me suis dit merde. Salut Lydie Fouquen, ma grande soeur chérie. Tu n'as rien raté, hein? J'ai commencé le live il y a juste 5 à 6 minutes. Je me suis dit, mais Bertie, tu as fait tous ces efforts pour venir en France. Ce n'est pas pour venir traîner avec la racaille. Tu as fait tous ces efforts pour venir en France parce qu'il fallait que tu te construises une vie. Pourquoi continuer à traîner avec les gens qui sont jaloux de toi? Pourquoi continuer, n'est-ce pas, à traîner avec des racailles, des haineux, des Congo-Saman qui passent le temps à médire sur toi? Mais quand tu les coinces, tu dis, mon frère, qu'est-ce que Bertie t'a déjà fait de mal?
oubliant ce que j'étais fait de bien. Qu'est-ce que moi j'étais déjà fait de mal? Qui te donne cette raison-là de te retourner contre moi et dit tout et n'importe quoi? Généralement, ils n'ont rien à dire. Je me cassais souvent la tête avec beaucoup de personnes. Je voulais qu'on m'explique des choses. J'ai fini par me rendre compte que ce n'était rien d'autre que de la jalousie. J'ai donc décidé progressivement d'éloigner autour de moi, dont un certain ami à qui j'avais donné, j'ai facilité, pour qu'il ne perde pas son boulot. J'ai pris moi-même des risques sur moi pour sauver son emploi. Avec mes kaolo, en prenant un risque énorme, il était devant ma porte tous les jours. Comment on perd les combis? Tu vois que je suis en train de perdre mon travail et tu ne me soutiens pas. Si tu ne me dis pas le oui, si tu ne me guides pas le oui, pour que je go chogo avec, ça veut dire que wow. Tous les jours devant la porte, tous les jours les appels, on fait comment? Tu es où tout ça? J'ai fini par faire ce sacrifice-là. La mère de mes enfants me dit, fais attention. Est-ce que tes amis là, tu es vraiment sûr d'eux? Parce que moi, je ne les sens pas. Je vois des gens autour de toi, mais qui sont très jaloux de toi. Et elle avait raison. Le temps lui a donné raison. C'est les mêmes qui étaient dans, qui m'ont saboté. C'est les mêmes que j'ai soutenus, qui étaient entre eux là-bas pour dire comment, oh, il est arrivé en Bermene, il combat pour bien, pourquoi, pour bien, c'est qui? Tous ont pourtant Boza. J'ai fini par comprendre que c'était de la jalousie pure et simple. Les mêmes, ils étaient de l'autre côté en train de boire leur bière et en train de se moquer de moi quand j'ai perdu ma feu mère. J'ai dit bien, ils étaient en face à zéro pas. Ils auraient pu juste traverser et venir. Dit que, waouh, mon frère Asia, ils ne sont pas passés. Ils étaient en face dans un truc en train de boire leur bière, ils se moquaient de moi. Ils sont toujours en Europe. Sans papier, sans jamais aller au pays. Moi, au moins, je suis allé une fois, je suis revenu. J'ai une vie. Je suis résident permanent. Si je veux la nationalité, je l'obtiendrai. Ils sont nombreux comme ça. J'ai dû donc faire ce travail. J'ai dû donc les écarter au fur et à mesure que je me suis rendu compte que c'était des gens qui ne m'apportaient rien dans la vie. J'ai dû éloigner tous ces gens-là de moi au fur et à mesure. Salut Kunagwero, salut Nadej Anne. Autant cela, tu es ma mère, j'espère que tu vas bien. J'ai dû m'éloigner de la racaille pour avancer dans ma vie et prendre certaines décisions. Et si tu n'es pas capable de faire ce travail-là, comme si tu dépendais de certaines personnes, ou bien comme si ton amitié avec certaines personnes, ça veut dire que ta vie n'a plus de sens. Non. Il faut pouvoir prendre des décisions dans la vie. Et ce sont ces décisions-là qui vont t'aider à franchir le pas qu'il faut. Des gens que j'ai pris des risques pour eux. Même par derrière, quand il a dit que non, c'était fini, mon kaolo était toujours là-bas, il était en train de walk avec. De l'autre côté, s'asseoir quand ils sont dans leur ganda de racaille, je ne sais pas où, à Château Rouge ou à, je ne sais plus dans quel coin de Paris, ils sont assis là-bas, ils sont en train de parler de moi. Je ne les calcule même pas. Pour moi, ils n'existent pas. Je ne sais même pas s'ils sont là. Qui voient mes interviews partout. Vous croyez que les chaînes de télé là, ils sont cons? Qu'ils m'appellent, ils me sollicitent pour une interview? Vous croyez qu'ils sont fous? Que des émissions avec des fortes audiences qu'on me fasse venir pour parler? C'est parce qu'ils ont vu en moi que j'ai certaines qualités. Ils ont lu mon bouquin, ils ont compris que j'ai de la pertinence. Pour beaucoup, ils sont assis dans mes lives, ils suivent mes lives. Personne ne peut dire ici qu'il me suit depuis 4-5 ans et que sur ma page, il n'a rien appris. Oui, Kunagwero, deux fois tu dis des trucs dans tes lives, je comprends pourquoi tu es souvent combattu par certaines personnes. Et que ceux-là qui pensent que je suis un ancien bozaïeur, qu'aujourd'hui je me suis éloigné de certains bozaïeurs, c'est être prétentieux. Non, le boza n'est pas toute ma vie. Le boza, c'est une étape de ma vie. Et j'ai relayé, j'ai remis tout ça dans un livre. Ça veut dire que cette étape-là pour moi est passée. Si je porte aujourd'hui la cause des bozaïeurs, ce n'est plus parce que je suis bozaïeur. Moi, j'ai mes miettes. Je mange bien, je bois mon bon vin, je fais fêter, je vais en vacances chaque année.
au moins je vais deux fois en vacances par an. Je suis père d'une grande famille, en France comme au Cameroun. Je m'en occupe très bien. J'ai un emploi stable, j'ai mes revenus, j'ai ma vie. Si je voulais faire du genre entre deux avions, je le ferais. Il n'y a rien qui m'empêche, je tape la carte bleue, je pars. Ou j'ai envie de partir. J'ai fait un choix de m'éloigner de la racaille. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, envoyez le maximum de cœur. Partagez le live. J'ai fait un choix, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je suis encore un bosailleur. Même si je ne veux pas, par exemple, quand il y a un cas sur les migrants, comme ce qui s'est passé l'autre jour au Maroc, il suffit qu'il clique sur Google. Il commence à rechercher des gens qui ont parlé de ça. Tu ne peux pas faire deux clics sans voir mon nom qui apparaît sur Google. Impossible. Mon livre est là. Ils vont voir mes interviews à France 24, TV5, partout sur les chaînes. Ils vont voir, ah ça c'est quelqu'un qui a écrit un livre pour parler du Boza. Et je suis un témoin vivant. Donc au lieu de donner la parole à ceux qui ne connaissent pas c'est quoi le Boza, en priorité ils vont me donner la parole parce que ce que je parle là, je l'ai vécu. Je ne suis pas dans le bavardage. Là où ils ont tué les gens au Maroc l'autre jour, c'est à côté de la déviation, à côté de Bariotino. Je connais parfaitement l'endroit. J'ai amené même des gens là-bas pour leur donner un beng. Ils sont arrivés en beng, ils ont commencé à m'insulter. Berti le Kamite au Maroc, il mange le Mbankou. Évidemment, en Kounagouero, on ne fuit pas la misère au Cameroun pour venir encore se clochardiser, se communautariser en France. Je suis arrivé en France, j'ai appris à m'intégrer dans la société française. J'ai éloigné de moi certains racailles qui m'empêchaient de voir les choses clairement. Ils sont dans leur coin de frustrés là-bas, ça les regarde, je ne les calcule pas. Je suis arrivé, quand j'ai commencé mon éclosion, n'est-ce pas, sur le plan intellectuel, j'ai commencé à me poser des questions. Je suis sur le meilleur terrain où je peux m'épanouir intellectuellement. Pourquoi pas faire le pas? Je suis en plus à Paris. Alors qu'est-ce que je fais? Salut mon frère Zidane. Je rencontre mon mentor, il y a de cela 6-7 ans aujourd'hui, Ngombulu Yasangi Yamina Bantu, Nissim Lasconi, qui a publié, qui a rédigé la préface de mon livre. Je le rencontre, je lui parle, je viens à ses conférences, je viens toujours avec mon bloc-notes, je prends des notes, j'apprends. J'écoute des vidéos, je fais des conférences, je participe à des conférences, je voyage, je fais des voyages d'études, même sur place à Paris, je ne m'arrête pas d'apprendre. Je fais des voyages de découvertes, je vais partout. J'essaye d'apprendre, je me cultive au maximum. Je vais dans des musées, je vais dans des conférences, je fais ce qu'on appelle des excursions pédagogiques. Je me bouge au maximum pour apprendre. Justement parce que j'ai appris une fois arrivé en France. Et il est important quand on arrive dans un pays de s'accrocher aux personnes qui peuvent apporter un plus. Et ce sont ces gens-là qui m'ont apporté un plus, qui m'ont permis aujourd'hui de m'accomplir sur le plan intellectuel. C'est en côtoyant des gens comme ça qui m'ont dit « tu peux faire comme ci, comme ça ». C'est en posant des questions. Avant, moi, je n'étais pas quelqu'un qui lisait beaucoup. Hein. Mais tu ne peux jamais me voir, moi, sans bouquin. J'ai toujours des livres avec moi partout. Il y a celui-ci que j'ai terminé il y a juste quelques jours. J'étais encore en train de faire des recherches à l'intérieur pour compléter certains trucs. J'ai toujours autour de moi, partout chez moi, même à mon lieu de service, j'ai des bouquins. C'est parce que j'ai appris à m'éloigner des racailles. On est en Europe sur le terrain plat. Tu veux apprendre, tu vas apprendre. Tu veux être sérieux dans ta vie, tu seras sérieux. C'est important de préciser cela. Et ce sont ces gens-là, c'est en apprenant, en suivant les Doumbi Fakoli, en lisant ses bouquins, en lisant les Cheikh Anta Diop, en côtoyant le professeur Kovi Regmire, Jean-Charles Kovi Gomez, c'est en côtoyant les Narmer à Tamerie. C'est en côtoyant tous ces gens-là, c'est en apprenant, en faisant tout ce parcours-là que je commence à comprendre beaucoup de choses. Moi, mes amis, ils peuvent être aussi bosailleurs, même si j'ai éloigné un bon paquet. Mais mes amis peuvent être aussi de la haute classe, de la bourgeoisie française. J'en rencontre tous les jours. Je suis invité à leur table, des gens qui dirigent ce pays, la France. Parce que je suis arrivé ici, je me suis dit, je vise haut. Mon but n'est pas de m'asseoir à Château Rouge, manger des ailes de poulet, faire comme quelques nègres, et qui font ça et veulent venir se comparer à moi. Je ne suis pas votre camarade. Je vois quelques activistes malfamés,
qui n'ont pas de direction, au lieu de se faire une vie, qui sont là pour parler de Bertie Lokami. Je suis votre camarade. Je suis un esprit qui vient de loin et qui a pu découvrir sa mission. Et pour découvrir sa mission, il faut faire un travail préalable, intellectuel, un travail même culturel pour découvrir sa mission. Et j'ai pu découvrir ma mission, je suis en train d'avancer. Vous pouvez crier, derrière moi, je suis en train de travailler très dur. Quand moi, je travaillais pendant 3 ans, je faisais des lives, non? Quand on disait boycott ici, quand on disait manif par là, ceci, boycott à gauche, à droite, j'étais partout. Mais entre-temps, j'étais en train de travailler. 3 ans après, mon bouquin est paru. Merci, Ikuna Guero. Salut, Sylvie Nucha. 3 ans après, mon livre est paru. Je vois la jalousie des combattants. Ils sont nombreux comme ça, la jalousie des activistes. Ils sont jaloux, ils peuvent même mourir pour ça. Bertie Lokami veut monter quoi? Il veut monter qu'il est qui? Il a écrit le livre, il se prend pour un intellectuel. Ils sont là-bas, ils bavattent. C'est pour ça que vous allez voir des activistes, ils peuvent mourir. Tu leur donnes mon livre comme ça là que... Partage un live de Bertie ou une seule photo où il a parlé de son livre. Sur leur page, ils ne vont jamais le faire, ils préfèrent mourir. Parce qu'ils ont peur de me faire de la pub. Leur Facebook, ça vaut quoi par rapport aux interviews que j'ai accordées à des multiples chaînes de télévision. Mais c'est des gens. Ah oui, Christian Schengen. Oui, je me souviens très bien, on était ensemble tout à l'heure. C'est des petits jaloux, des petits frustrés. Je parle, j'écris un livre pour parler du Boza, il rejette mon livre. Par jalousie et par frustration. Il rejette mon livre. Mais à côté, il part te voir quelqu'un qui est mon ami, qu'ils appellent tous les jours pour essayer de convaincre, oh, Bertie Lokami a écrit son livre, mais moi je ne sais pas comment je vais faire, il faut que tu m'aides à écrire mon livre. Vous croyez que tous ces gens que vous partez voir là, ils ne m'appellent pas? Vous croyez qu'on se connaît dans le cercle des intellectuels de Paris? On se retrouve dans des conférences. La plupart, c'est des intellectuels, d'autres, c'est des journalistes. On se connaît. Vous êtes ridicule. Salut, Jules Chateau. Vous êtes ridicule. Vous n'avez pas le minimum de sérieux dans ce que vous faites. Salut Motongando. Et vous pensez que vous pouvez être au niveau de quelqu'un comme moi? J'ai vu quelqu'un comme Olivier Tchanan hier dans une sortie hautement délirante où il disait comment je n'ai pas encore fait ce qu'il a fait dans ce combat. Je me demande ce qui ne va pas avec lui. Je ne me mets pas déjà à votre niveau. Donc quand vous voulez faire des comparaisons, sachez comparer des gens qui ont quand même un certain niveau. Je ne suis pas à votre niveau. Pourquoi vous voulez qu'il y ait comparaison? Ce n'est pas possible. Je porte des idées. Je porte une cause. Salut Darrel. Quand nous on parlait de brigade anti-Sardina, quand la basse était basse, beaucoup de vous là étaient encore assis dans leur canapé. Ils ne savaient même pas quand est-ce qu'ils vont prendre un jour un téléphone, avoir le courage de mettre leur visage comme je fais là et critiquer Paul Biya. Ils ne pensaient même pas encore à cela. Ils sont aujourd'hui dans le combat, ils disent qu'ils dépassent Bertie Lokami. Vous rêvez dans vos têtes ou quoi? Vous croyez qu'on fait les mêmes choses dans la vie? Non. On ne fait pas les mêmes choses. On n'est pas au même niveau. Et vous dire la vérité, comme je suis en train de le dire, n'est pas être prétentieux. Du tout. C'est dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez déjà tout fait dans le combat pour m'éteindre. Vous avez vu que la lumière est toujours là. La lumière est toujours là. Vous allez faire comment pour éteindre Bertie Lokami? Ce n'est pas possible. Salut Caroline Pégan. Le Calibri, qui est votre héros? Calibri, je ne peux pas être son abeille. Je n'ai pas pu être l'abeille de Serge Anango. Je ne serai pas l'abeille de Calibri. Il faut être sérieux. Les deux ne sont même pas à mettre au même niveau. Il dit bien la frustration d'Anango jusqu'aujourd'hui, c'est de se dire que merde,
J'ai mis Max dans ma poche, j'ai mis Calibri dans ma poche, j'ai mis tous ces gens-là dans ma poche. À un certain moment dans le combat, je les contrôlais. J'étais le boss qui contrôlait leur cerveau, eux tous là. Quand Anango disait à gauche, il courait à gauche, à droite, il courait à droite. Anango n'a jamais pu me mettre dans sa poche. Jamais. Je n'ai pas faim, j'ai d'abord une stabilité. Donc ce n'est pas avec 100 euros, 200 euros, 1000 euros que tu vas m'impressionner. Ça, ce n'est pas un problème. J'ouvre mon compte là, tu vas fuir. Il y a beaucoup d'argent dedans. Quelques lilliputiens qui sont dans le combat, ils parlent, ils croient qu'ils sont au niveau de Betty Lukamit. Je ne suis pas votre camarade. Le roi va venir certainement bientôt là, où il y a les 70 ans du roi Jean Ramos Okundju, qu'on va fêter bientôt là à Bamedjou. Allez voir le roi Nanchema, Jean Ramos Okundju, vous lui demandez qui est Sikanti. Le titre, c'est Mumbeso Mbongo. On donne le titre à n'importe qui. Vous croyez que c'est votre camarade? Il se lève un matin, il vient parler de Bertie Lukamit. Je suis un esprit qui vient de très loin. Et qui est largement au-dessus de vos bassesses que vous faites dans le combat. Il faut que je vous le dise. Si vous n'êtes pas content, vous dites qu'il est prétentieux. Oui, je suis prétentieux. Et si tu n'es pas prétentieux dans la vie, tu ne peux pas avancer. Salut Marie-Michel Abessolo. Il est des moments dans la vie où si tu n'es pas prétentieux, on va te balancer loin derrière. Il dit bien, Anango, malgré ces choses qu'il faisait là, il vous tenait. Moi, il ne me tient pas. Que ce soit sur le plan intellectuel, je l'ai affronté, je l'ai même décimé. À un certain moment, il a cru qu'il pouvait se mettre avec moi, parler de l'histoire du continent africain. Je l'ai égaré. Donc, dès que j'ai déclenché comme la fusée, je suis parti. Il n'était même plus à mon niveau. Même celui qui était le journaliste qui essayait de, qui faisait, comment on appelle ça là. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'il était complètement en déphasage avec ce qu'il racontait. Il tenait d'autres personnes, d'autres combattants. Moi et le modérateur, merci Jean Bosco Okanto. Le modérateur, non, il s'est rendu compte que non, il n'était pas au niveau. Il a dit à Anango, va revisiter tes humanités classiques. Quand tu auras fini de lire, reviens, on pourra discuter. Je ne suis pas à ton niveau. Anango ne m'a pas tenu, c'est les calibris qui vont me tenir. Des gens qui sont intellectuellement des inaptes, des gens qui sont des nains intellectuels et des gens qui sont des malhonnêtes à tout bout de chemin. Qui mentent aujourd'hui, ils mentent demain, ils mentent après-demain. Ils disent une chose aujourd'hui, demain le contraire. Le combat sur 237, quand ça ne les intéresse plus, ah, on veut convaincre les Bertis qu'on insultait hier pour aller à Genève et chasser Paul Biya. Genève, c'est un nouveau quartier du Cameroun. Genève, c'est en Suisse, ce n'est pas au Cameroun. Si le combat, c'est en Europe, c'est au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi vous partez chasser Biya à Genève. Genève, ce n'est pas au Cameroun. Vous pouvez tout faire pour éteindre certaines personnes. Mais ce n'est pas possible. Je suis une lumière. On ne peut pas me contenir. La preuve, même quand il se retrouve, quand il veut parler des combattants. Quand on parle de moi, on prend beaucoup de recul pour parler de moi. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas à votre niveau. Il dit bien, Calibri lui-même, même si lui ne me porte pas dans son cœur, quand lui, il veut faire référence au combat de la brigade anti-Sardina en France, il ne cesse de dire lui-même dans ses lives, je prends à témoin Bertie Lukamit. Parce que quand on commençait, vous n'étiez même pas là. Ceux qui crient là aujourd'hui. Les Olivier Tchanan qui crient jusqu'à dire que Bertie n'a pas encore fait ce que j'ai fait dans ce combat. Tu sais les risques que nous on a pris pour ce combat. Tu sais les choses que nous on a fait pour ce combat. 2018, le 7 octobre, devant l'ambassade du Cameroun à Paris. L'appel qui est aujourd'hui incontestablement l'un des actes fondateurs de la brigade anti-Sardina. Calibri Calibro n'est pas encore connu. Il le fait dans mon direct. Il y a plus de 3000 personnes en ligne. Calibri lance l'appel depuis devant l'ambassade du Cameroun ce jour-là pour dire tous les artistes qui ont chanté pour Paul Biya pour l'encourager dans sa bêtise. Ces artistes-là seront boycottés. C'est la brigade anti-Sardina qui vous parle de cela. Le live est encore là. Le live n'est pas effacé. Quand Calibri lui-même veut se défendre, même s'il me déteste, hein, mais quand lui va apporter des arguments, il va toujours sortir cette vidéo-là pour dire, ben, tu sais, le Kamit est témoin, c'est lui qui avait le direct ce jour-là. Il y a 4 ans de cela,
vous voyez quelques légers, je ne sais pas, quelques nénuphars, je ne sais pas d'où ils sortent aujourd'hui. Quand on parle du combat, ils viennent parler, ils parlent de Bertie. Je ne suis pas votre camarade, même dans le cadre du combat. Mba Bolan, ce qui est évident, je dis que même si Calibri me déteste, quand lui veut parler de cet acte-là qui est l'acte fondateur de la lutte en France, il ne peut jamais passer à côté sans dire Bertie Lokami est témoin, je le prends à témoin. Vous ne pouvez pas éteindre une lumière. Faites ce que vous avez à faire, laissez-moi faire ce que moi je fais. J'étais déjà là, c'est-à-dire quand on dit action coup de poing sur le terrain, je suis présent. Quand on dit manifestation pacifique, sensibilisation, je suis là. Sensibilisation à travers les réseaux sociaux, je suis là. Quand on dit des réunions, on finissait les réunions à 3h du matin de la brigade anti-sardine. On ne pouvait même pas savoir qui sont les Olivier Tchanan et tous ceux qui crient aujourd'hui. On ne pouvait même pas savoir. Ils sont venus loin après. Même les Sandy de Boston, c'est hier, tous ces gens-là sont venus après. Mais ce n'est pas parce que tu étais dans le combat avant que tu es plus efficace ou bien que tu as la notoriété plus que ceux qui sont arrivés derrière. Il y a ceux qui sont arrivés derrière et qui aujourd'hui leur parole porte dans le combat plus que ceux qui étaient là il y a 10 ans, 20 ans. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais sachez respecter les gens. On respecte les gens dans ce qu'ils font. Donc, en ce qui concerne même le haut sur le terrain, bouger à gauche, à droite, je le fais depuis octobre 2018. Et encore avec l'arrivée de mon livre, j'ai inauguré autre chose dans le combat. Je suis allé encore plus loin. Donc j'étais déjà là. Je suis encore monté plus haut. Pour dire que je ne suis pas seulement dans le côté activisme camerounais. Si quelqu'un veut bien le savoir, on dit ok, on se retrouve tel pas aujourd'hui, il y a une manifestation des panafricains. On se retrouve par exemple dans une manifestation contre le CFA ou quoi que ce soit entre des panafricains. Activistes camerounais, on se réunit, on va là-bas. Vous allez voir le nombre de personnes qui vont se déplacer pour venir me saluer, qui connaissent ce que j'ai pu apporter dans le combat panafricain. Je dis bien, même avant de commencer à m'intéresser au combat camerounais, depuis 2017. Je rappelle que même avant d'aller au Cameroun en 2018, quand la guerre a commencé dans le Nozo, j'étais l'un des premiers activistes qui a eu ce courage-là de balancer ces images et de crier sur ce régime. La vidéo encore là. Tous ceux qui parlent aujourd'hui ne parlaient pas. Même Calibri, ni autre, personne ne parlait. Il n'y avait que Marc Seignior Ivoire, qui était l'un des rares activistes à l'époque, qui prenait la parole pour dénoncer les choses qui se passent dans le Nozo. Et même lui, je l'ai fait avant lui. Les vidéos sont là. Je suis arrivé au Cameroun, je suis allé dans les zones anglophones. Qui de voit le courage de faire ce que je fais là? J'ai encore les bribes de vidéos avant que les gens là ne m'arrêtent pour dire « Monsieur, supprimez toutes vos images. » Je suis allé jusqu'au côté de Mbanga, là où on prend le train pour aller vers Ekona, de ce côté-là, du sud-ouest là, pour aller vers le Lomongo. Tous ces gens-là qui étaient en train de fuir les massacres du côté anglophone pour se rendre du côté francophone, notamment en Mbanga. J'étais sur le terrain, j'ai des images, c'est sur ma chaîne YouTube, tapez Bertie Lokamit. Vous allez regarder sur mes anciennes images. Vous allez voir, je suis là, dans les régions anglophones. Qui de vous a pu faire ça? Vous voyez des gens qui se lèvent aujourd'hui, vous croyez, parce que vous vous agitez dans le combat, vous êtes dans des agitations. Je mène le combat à un autre niveau, je ne suis pas dans des agitations. Vous êtes dans des agitations, ça vous régate. Je suis suffisamment intelligent pour ne pas être votre suiveur. Je ne peux pas être militant de Calibri, ce n'est pas possible. On est dans quel monde? Moi, je suis militant, je suis pro-Camto. Parce que Camto, c'est un esprit. Je peux être militant de Camto. Je ne peux pas être militant de Calibri à aucun moment de ma vie. Et votre problème, c'est ça. Vous aurez voulu que Bertie Lokamit soit l'abeille de Calibri qui va s'asseoir pour faire ses éloges. Ce n'est pas possible dans aucun monde. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas.
qui disent que, oh, il est haineux, il est jaloux, il est ceci. On est jaloux quand on envie quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que moi j'aurais à envier à Calibri? Envier les papiers j'en ai. J'ai fait un an et demi seulement en France en papier. Quand il dit un an et demi, même c'est même beaucoup. J'avais déjà trouvé ma position, clairement. Avec une femme qui est la mère de mes enfants, qui m'a tout donné. J'ai deux beaux petits garçons. Je n'ai pas eu besoin d'aller trafiquer des trucs derrière le combat, utiliser des images du combat pour me faire passer pour une victime de quoi? Pour aller monter les dossiers d'asile bizarres pour avoir les papiers. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis un bel homme. Et j'ai beaucoup de femmes à mes pieds. Donc, il suffisait de faire mon choix parmi toutes ces femmes-là. Bon, c'est celle-ci que je cible. Je prends celle-ci, je fais ma vie avec. Vous êtes incapable en France, dans un pays où il y a des millions de femmes célibataires. Vous êtes incapable de convaincre une femme. Vous êtes incapable de draguer une femme au point où vous êtes obligé de vendre le combat pour avoir les papiers. Les papiers, le bandeau qu'on marche avec partout, on cherchait les hommes pour leur donner. C'est quoi ça? Vous vous mettez au niveau de Bertie Le Cabit. Je ne suis pas votre camarade. Les gens même avec qui je traîne vous dépassent de très loin. Je dis même les gens avec qui je marche. Je vais manger dans des restos, je vais dans des conférences. Nous, on va dans des cercles d'études. Je traîne avec l'intelligentsia parisienne. C'est-à-dire, c'est le cercle d'excellence kémite. Des gens qui pensent l'Afrique de demain. C'est avec eux que je traîne. Je ne traîne pas avec des mangeurs des ailes de poulet à Château Rouge qui disent que Bertie Le Cabit est qui. Je ne traîne pas avec vous. Que ça vous dérange, ça c'est votre problème. On était devant l'ambassade du Cameroun, de Libye, l'ambassade de Libye à Paris, pour dénoncer la vente des esclaves, comme la vente aux enchères des esclaves. Qui de vous était là-bas? Quand moi j'allais là-bas, les images sont encore là. L'artiste même, Lady Ponce, était même là-bas ce jour-là. Devant l'ambassade de Libye, quand on vendait les nègres là en Libye, 400$, 300$, on faisait les ventes aux enchères, de nos frères subsahariens qui étaient arrêtés et vendus comme esclaves en Libye. On était devant l'ambassade de Libye pour crier sur ces gens. J'avais ma caméra, mon téléphone, je suis allé faire des vidéos là-bas et tout. Tout ça, c'est sur YouTube. Nous, on est dans les rues. On se battait contre ça. Vous avez quelques lilliputiens parce qu'ils font des directs, ils crient dedans, ils disent que Bertie est leur camarade. Je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas à votre niveau. Je suis très loin de vous. Je sais qu'ils vont encore dire Bertie est prétentieux, Bertie c'est un vantard, Bertie se prend pour ceci. S'il faut vous mettre à votre place, je vous mets à votre place. Donc vous voulez faire des comparaisons? Il est question ici pour moi de vous rappeler que il n'y a pas de comparaison possible entre vous et moi. Donc si moi je veux me mettre au niveau de certaines personnes, les classes de personnes avec qui je peux discuter de certaines thématiques concernant le continent africain, ou du moins certaines thématiques concernant le Cameroun et autres, je vais débattre de cela avec Abdelaziz Moundé, je vais débattre de cela avec Wilfried Ekanga parce qu'ils ont la formation qu'il faut. Qu'est-ce que je vais aller échanger avec quelques lilliputiens qui dorment sur les canapés dans les maisons des gens? Ils sont obligés d'agiter le combat partout à gauche à droite pour aller faire des demandes d'asile et monter des trucs à gauche à droite, vendre le combat parce qu'ils veulent avoir les papiers. C'est aux gens comme ça que vous voulez me comparer? C'est pas possible. Je suis arrivé, je me suis tapé une belle femme. Elle m'a donné des beaux enfants. Je suis régularisé. Je travaille. Je cotise en France, dans les caisses. Je fais vivre la France. Je ne suis pas au crochet de la société en France. Et ce n'est pas parce qu'on est trop fort, mais aussi parce qu'on est fort, parce qu'on fait des efforts. Je rappelle ici, même dans un de mes postes, que même quand j'étais moi sans papier, je travaillais. Il n'y a pas un seul mois en France où l'argent n'entrait pas dans mon compte. Je travaillais. Les papiers publicité, je mettais dans les boîtes aux lettres toute la journée jusqu'à 18h, 19h. Pour 40€ la journée, parfois 35€. Je sortais, je partais toquer dans les chantiers maçonnerie. Je sors le matin, je mets mon petit sac, je marche partout.
Bonjour, je cherche le travail. Ah, vous voulez travailler? Oui. La première fois en France que j'ai eu mon premier petit salaire après 2 jours de boulot, on est en 2000 quoi? 2015. Premier, je travaille chez un Colombien avec un autre qui était du Honduras, Candelo. C'était dans mon quartier, je vivais à Boulogne-Billancourt, au métro dans le 16e arrondissement de Paris. Face Boulogne, vous avez le 16e. Le métro Porte de Saint-Cloud. Moi, je vivais là-bas, juste à côté du stade du PSG. Je vivais dans cette rue-là. Je sortais le matin, je mettais mon sac, je marchais là dans le quartier pour chercher les chantiers. Je veux travailler. C'est comme ça que je tombe sur un monsieur. Il me dit, ah, tu quieres travailler? Si tu quieres travailler, vuelve aquí, mañana, y vais a trabajar conmigo. Vale. Le matin, j'étais au rendez-vous. C'est la première fois que j'ai bossé. J'ai eu comme ça, tout d'un coup, on m'a donné 250 euros pour 2 jours et demi comme ça de travail. J'ai commencé, je crois, un mercredi. J'ai travaillé mercredi plein, j'ai travaillé jeudi plein. Et le vendredi, vers l'après-midi, vers midi, comme ça, on a arrêté le boulot, on avait un repas et tout. Il m'a sorti 250 euros. Je n'ai jamais oublié cela. Pour la première fois, il m'a sorti comme ça 250 euros. J'étais content d'avoir 250 euros à l'époque. J'ai appelé ma mère, j'étais content, je lui ai envoyé une bonne partie, j'ai dit fais-toi plaisir. Même quand j'étais sans papier, je sortais, j'allais chercher. C'est ma femme qui me dit, mais pourquoi tu vas te casser la tête pour 50 euros une journée? Reste ici, je te donne tout. J'ai dit non. J'ai une lourde responsabilité, je suis l'aîné de ma famille, je ne suis pas venu en France dormir. Même si oui, tu vas me faire plaisir en me donnant des choses, je n'attends pas cela de toi. C'est pas ce que je veux. Je me levais malgré ça. Moi, j'allais travailler. J'allais chercher des jobs à gauche, à droite. Vous avez quelques paresseux aujourd'hui qui sont juste dans le discours et qui ne prêchent pas par l'exemple, qui ne montrent pas l'exemple aux autres. Vous voulez un Cameroun nouveau, mais votre propre vie en France est pleine de saleté. Le travail, vous refusez. Vous êtes dans les cuisses des vieilles femmes. Vous êtes là sur le canapé, des gens vous traînez à gauche, à droite. Prêt à tout pour vendre le combat. Prêt à tout pour sacrifier les efforts des Camerounais qui ont pris des risques pour que ce pays-là change. Travailler au noir en France sans papier est un délit, c'est faux. Clotilde Wango, si tu ne le sais pas. C'est complètement faux. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. J'ai dit même ces efforts-là, moi je le fournissais. Je n'ai pas besoin de venir livrer le combat, l'espoir de tout un peuple. Regardez comment aujourd'hui les gens nous insultent en diaspora. Tout le respect qu'on avait hier en tant que combattant de la brigade anti-Sardina, n'importe où on nous voyait, partout où on passait dans les rues. Oui, voilà les gars de la basse. Oui, voilà les gars qui se battent pour le changement. Oui, voilà les gars qui font des efforts pour que les choses changent. Quand les gens nous voyaient en route, c'était le tchaka. Regardez aujourd'hui la combattante de la basse. Tu passes quelque part, les gens te rappellent que, oh, vous avez fait ceci. Oh, je ne suis pas content de vous. Oh, la basse, vous avez fait ceci. Oh, la basse a pris l'argent. Oh, où sont passés les 14 000 euros? Moi, j'ai mangé les 14 000 euros. Les gens me voient dans la rue, ils me posent la question que, hein, les combattants, il y a les problèmes des litchis. Je ne suis pas dans les litchis. Je ne commande pas l'argent. Je ne me sers pas du combat pour commander l'argent. Je n'en ai pas besoin. Quand je fais un post pour dire aux gens, allez vous chercher un travail, ils disent qu'il est jaloux, il est haineux. Même le litige que j'ai fait ici récemment, j'ai récolté à peine 3-4 personnes ont cotisé. J'ai récolté des fonds, j'ai envoyé ça aux prisonniers politiques. 1 franc, je n'ai pas touché dessus. J'ai rajouté mon propre argent. Vous croyez que moi, je suis à 200 euros, 300 euros près? Parce que je travaille, parce que j'ai une dignité, parce que je suis différent de vous. Même quand je fais des lives pour dire que Calibri, Wayo, tout ceci, on fait ceci, je démontre. Ceux qui me détestaient au départ sont où aujourd'hui? Ils sont nombreux à me détester. Ils me détestaient hier, aujourd'hui se sont rendus compte que moi j'ai raison. Le temps me donne raison. Tu es jaloux, tu es haineux, tu es ceci, tu es cela. Mais ils se rendent compte que ce que je disais hier là, ils disaient que oh, ils racontent quoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par des gens qui s'agitent. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que quand on dit la manif, c'est tel jour, ils disent que non, il n'y a pas manif.
Ils se sont rendus compte que les mêmes gens qu'ils ont portés hier sont aujourd'hui en train de détruire le combat. Ils vont dire quoi? Il est jaloux, il est haineux. Qu'est-ce que moi j'aurais à faire? Si vous prenez tous ces gens-là, que ce soit les Max et Calibri, fils du planteur, tous ces wayo-wayo-là. Et moi, il peut avoir comparaison à quel niveau? Qui est jaloux de Calibri? Je suis un bel homme. Calibri peut m'arracher une femme. Ça a commencé où? Je suis plus intelligent que lui. Ça va passer par où? J'ai l'argent. J'ai les papiers, j'ai tout ça. Je suis un homme ordonné qui a une vie normale. Quand je dis ça, c'est pour... c'est pour choquer ces cancres-là. Pour choquer tous ces abeilles qui pensent que moi, Betty le Kamit, je dois être l'abeille de quelqu'un. Il n'y a aucun, et j'ai l'important de le rappeler ici, aucun activiste n'a le niveau pour que je sois son abeille. Aucun. Je ne peux pas être l'activiste, l'abeille de Anango ou bien de Kamwa ou bien de je ne sais pas qui Calibri. Ce n'est pas possible. Sortez ça de votre tête. Et c'est votre combat depuis beaucoup d'années parce que beaucoup veulent m'obliger à être abeille de Calibri. Non. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'ils font. Je dis que ce n'est pas normal. Ce que vous êtes en train de faire, vous tuez le combat avec ce genre de comportement. Il y a même une autre qui m'a dit hier que Betty s'est fait connaître parce que il faisait des lives pour insulter les Wayo Wayo. Je suis connu bien avant. Donc même ceux que vous appelez hier, là, ils sont arrivés hier. Je vous dis que même dans les, vous parlez dans la communauté malienne, les combattants, ils me connaissent. Communauté guinéenne, communauté ivoirienne, partout. Les panafricanistes, les panafricains du combat en France, on se connaît. Je ne connais pas beaucoup d'activistes camerounais qui iraient dans la communauté panafricaine et qui seront connus. Il y a mes vidéos de millions de vues qui circulent depuis des années dans le combat. Tu es combattant ou tu es venu être abeille des gens dans le combat. Et comme il y a Berti qui a refusé de jouer à ce jeu, il y a des gens qui se tombent que il est ceci, il est cela. Mais arrêtez. Arrêtez ces histoires. Quand je dis des choses, j'apporte le minimum d'exemples. Moi, je vais vous prendre des exemples simples. On est en 2022. Il y a des milliers de gens encore qui me suivent. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Rendez le live plus vivant avec des commentaires. Envoyez le maximum de likes de cœur. Et surtout, partagez, c'est important. Parce que quand vous partagez, vous identifiez les autres. Vous voulez vous mettre au même niveau que quelqu'un qui mène un combat avec des convictions. Je vous rappelle que je me suis jeté moi-même dans quelque chose. Et je sais que ce que je suis en train de faire là est risqué. Mais vous avez encore la preuve que moi, je ne me bats pas parce que je veux des vues sur les réseaux sociaux. J'en ai pas besoin. Donnez-moi le nom d'un seul activiste que vous connaissez dans le combat de la base que nous menons. J'apporte certaines précisions. Apportez-moi le nom, citez-moi un seul de ces activistes-là qui veulent faire comme si Berti. Un seul parmi eux-là qui est anti-christianisme. Vous en connaissez? Qui est anti-islam? Qui est pro-traditionaliste? Vous en connaissez? Il parle de Jésus, il parle de Mohammed. Moi, je parle de mes ancêtres. Je parle de Mbotanguna. Je parle de Ngelonkenya. Je parle de mes ancêtres. Donc, quand tu fais des lives publics comme moi, je le fais depuis beaucoup d'années, tu es contre le christianisme. Tu es contre l'islam. Tu es dans les pratiques ancestrales africaines. Mais tu as toujours une forte audience. Et tu es suivi par les mêmes chrétiens, tu es suivi par les musulmans qui viennent se connecter dans tes lives pour suivre tes lives. Ça veut dire que je suis pertinent.
Ça veut dire que s'ils viennent suivre, sachant que moi je suis contre leur Jésus, s'ils viennent me suivre, sachant que je ne suis pas avec leur Mohammed, ça veut dire que j'ai quelque chose en moi. Salut, accent aigu. Salut, Hilary Eddy. Ça veut dire que j'apporte quelque chose dont ils ont besoin. Les autres sont obligés de tomber dans le Seigneur Jésus, le prophète Mohammed, dans certaines choses. Ils sont obligés de se taire quand il s'agit de la religion. Ils ne peuvent pas dire un seul mot parce qu'ils ont peur de blesser les gens. Je ne blesse personne. Je n'insulte pas Mohammed. Je n'insulte pas Jésus. Je n'entre pas dans des insultes, dans les bassesses qui consistent à rabaisser les chrétiens et les musulmans comme je vois d'autres gens faire. Mais je fais des lives de sensibilisation sur l'utilité, sur l'urgence des Africains à retourner à leur culte ancestral. Je valorise mon patrimoine culturel et cultuel. Salut Bertie, tu me salues, mais ton nom, j'ai toujours du mal à prononcer ton nom. Touman Bindastik, une belle femme comme ça, là, tu te caches derrière un faux. Tu as donné un nom que j'ai du mal à prononcer ça à chaque fois. C'est pas possible. Moi, j'apporte ce que moi j'ai à apporter. Vous en connaissez combien qui ont publié un livre comme je l'ai fait et qui portent la cause? Donc les gens pensent que le combat, c'est d'agiter Paul Biya va partir. Comme tout président, il y a une autre façon de mener le combat. Salut mon frère Thierry Kala. Vous connaissez combien de personnes capables de faire des lives comme moi et qui prennent des positions claires en tant que Bamileke, fier de l'être? Ils sont nombreux qui sont obligés de jouer entre plusieurs tableaux. Je suis clair dans ce que je fais. Si tu veux me suivre, tu me suis. Vous connaissez combien de personnes moi j'ai perdu sur la toile? Quand je faisais des lives avant, ce n'était pas que 150 personnes comme là. Je faisais des lives, il y avait des milliers de gens. Mais d'autres ont dit que non, il est trop pro-Bamileke, il aime trop ses frères, il est contre mon Paul Biya qui est de mon village. Tu n'es pas content, tu pars. Je suis contre Paul Biya. C'est tout. Il doit dégager, on doit reconstruire notre pays. Si tu trouves que je suis trop pro-Bamileke et que ça ne te plaît pas, il est temps de quitter ma page. Je suis clair dans mes convictions. Et je rappelle ici à Olivier Tchanan qui disait hier comment... J'ai déjà fait quoi dans le combat? Qu'est-ce qu'il racontait comme connerie hier? Je l'ai écouté. J'ai rappelé à Olivier Tchanan que peut-être les gens qui te suivent, ils ont besoin d'un bruit de fond. Ils mettent le téléphone là-bas. Qu'est-ce que tu racontes? Des fois, ils peuvent écouter comme ça en passant. J'ai rappelé, c'est que la différence entre vous et moi, c'est que ma page est comme une sorte d'école virtuelle. Ma page, c'est une page où les gens viennent apprendre, les gens viennent s'informer. Quelqu'un ne peut pas dire ici qu'il me suit depuis des années et que grâce à ma page, il n'a pas appris des choses sur la culture africaine, sur la culture camerounaise, sur l'histoire du continent africain, sur l'histoire du Cameroun, sur la spiritualité, sur les religions, sur plein de ces thématiques, sur la politique et tout ça. J'aborde tout ça sur la culture générale même. J'aborde ça sur ma page. Ma page, je peux moi-même me vanter en disant que ma page, elle est intéressante. Ma page, elle, le contenu que moi je diffuse ici est pertinent. Sinon, les parents comme vous, des responsables comme vous, vous ne perdrez pas votre temps à venir vous asseoir pour m'écouter. Je rappelle ici que je ne suis pas suivi par des voyous. Hein. Ceux qui s'assoient dans mes lives pour écouter mes lives sont des personnes intelligentes et qui ont un certain niveau. Je ne suis pas écouté par des racailles qui viennent entendre les trucs qui chantent à gauche, à droite, non. Je suis écouté par des gens qui viennent parce qu'ils recherchent quelque chose. Et ce quelque chose-là, je l'ai de temps en temps, même si je ne suis pas tous les jours, je ne dis pas tous les jours forcément ce que les gens veulent entendre. Il y a des jours où je peux être défaillant, il y a des jours, mais toujours est-il que la plupart du temps, je suis cohérent dans ce que je fais. Vous avez beau crier, faire ce que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir m'éteindre. Ce n'est pas possible. Parce que ceux-là qui ont de la valeur savent ce que moi je vaux, ce que je représente dans le combat. Je n'ai pas besoin de l'avis de quelqu'un comme Olivier Tchanan. Je n'ai pas besoin de son avis. Je prends des positions qui sont des positions claires. Mes lives sont impactants. Ce sont des lives de qualité.
Je vais faire là, je vais déposer, j'enregistre, je pars. Le même live, il y avait 2000 vues. Vous allez voir un moment, ça va monter. Les gens enregistrent mes lives, ils reçoivent, ils retéléchargent, ils suivent mes lives. Parce que ce que je dis, c'est intéressant. Ce n'est pas le genre qui vient bavard, il crie dans un live, il crie après, il s'en va, on a oublié après. De tout ce qu'il a dit, la personne n'a rien retenu. Parce qu'ils ont pensé que le combat, c'était venir s'asseoir. Tel a volé 50 milliards, tel a volé 100 milliards. Paul Biya va partir, comme ton président. Je fais le combat de façon intelligente. Je fais le combat différemment. Justement, il y a beaucoup qui n'ont pas encore les capacités intellectuelles pour pouvoir saisir la subtilité et ma démarche. Mon approche est une approche complètement différente. Mais on va atteindre le même but. Mais il est important de sensibiliser. Mon frère Olivier Tchanang est dans le live. Celui qui a dit hier qu'il va me bastonner. Il me dit qu'il va déposer une plainte demain pour injure. Et en même temps, dans le même live, je ne sais pas s'il se rend compte de ce qu'il fait. Il me menace et il promet de me bastonner dans le même direct. Et si moi, donc, je déposais une plainte pour menace et autres. Olivier Tchanan, tu es dans le live. Et c'est important que tu sois venu en vrai profil. Parce que vous avez la plupart des faux profils. Même tous ceux qui me combattent, là, ils sont dans le live. Hein, mais sauf qu'ils sont en faux profil. La différence encore entre vous et moi, c'est que je n'ai pas de faux profil. Je suis vrai. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me faire des faux amis. Je ne traîne pas avec ça. Tu peux faire le live, tu es en train de parler de moi. Je viens dans ton live, j'entre dedans, j'écoute. Et tu es en train de mal parler de moi. Hein, je suis là, avec mon vrai profil. Je n'en ai pas un autre. J'ai celui-ci, j'ai le deuxième, si qu'a dit l'autre... L'autre page, Bertrand Sicadi. J'ai deux pages sur Facebook. Je ne connais pas vos affaires de faux profil. Je ne connais pas ça. Merci Thierry Kala. Ça, c'est des trucs que ça me touche. Quand quelqu'un me dit que tes ancêtres te bénissent. Si quelqu'un me dit que Jésus te bénisse, ça ne me touche pas. Je ne sens pas. Quand quelqu'un me dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il te bénisse, moi, ça ne me touche pas. Mais quand quelqu'un me dit que les ancêtres, je suis en connexion directe avec les Botanguna. Je suis en connexion directe avec Ngolo Nguyen. Je sens directement comment ça m'atteint. Parce que le tout dans la nature est une question de vibration. Je sens directement ces vibrations-là. Parce qu'on parle des ancêtres de ma lignée. Si nous sommes là, c'est la preuve qu'ils ont été là. Donc même quand il faut consulter des personnes ressources, en ce qui concerne le combat en diaspora, ils vont tourner, ils vont consulter Bertie Le Camite. Sur tout ce qu'on est en train de faire là, il y a des gens derrière qui sont en train de préparer des mémoires sur le mouvement de la brigade anti-Sardina et bien d'autres mouvements en diaspora. Il y a des gens qui préparent des mémoires sur ce que nous faisons. Je travaille avec ces gens qui me consultent comme personne ressource de la brigade anti-Sardina. Vous allez faire comment pour changer ça? Vous n'allez pas pouvoir. Parce que parmi eux là, quand ils se posent la question, quel est celui qui est capable, qui a de cette matière, qui peut apporter un plus? On sait parmi nous tous là, activistes, celui qui est capable d'apporter un plus. Celui qui a du répondant intellectuel. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas à votre niveau. C'est important de vous le rappeler. Je suis Sikanti Bertrand Mumbeso Mbumbon. C'est important de vous rappeler. Même mon titre au village, on ne blague pas avec. Ce n'est pas avec les quelques activistes, quelques lilliputiens qui dorment sur les canapés dans les maisons des gens à Paris, vous allez comparer à Bertie Le Camite. Je ne suis pas votre camarade. Je me tiens très haut comme ça là. Je ne suis pas à votre niveau. Arrêtez de vous amuser avec moi. Alors. Il
Il y a même des thèses que les gens sont en train de préparer. Vous serez surpris le moment venu. Tous ces gens-là nous contactent. On travaille avec ces gens. On leur donne des orientations. Je suis consultant sur les questions migratoires. Vous savez combien d'interviews en privé j'ai accordé pour ce qui s'est passé au Maroc là. Ce qui s'est passé l'autre jour à Bariotino, à Nador là. Vous savez combien de sociétés, des ONG qui se battent pour les droits des migrants, combien m'ont contacté, avec combien je suis en train de discuter, avec combien je suis en train de donner des indications et comment juguler le problème. Parce qu'on peut me consulter quand il s'agit des choses sérieuses. Parce que cette hécatombe-là des migrants, des morts-là en Méditerranée et autres, c'est important de le rappeler. C'est quelque chose qui engage l'avenir de nos enfants sur le continent africain. Pour les questions aussi, des questions hautement importantes et stratégiques, on me consulte moi. Donc quelques agitateurs qui s'appellent activistes et autres, je ne me mets pas à votre niveau. Vous pouvez faire vos comparaisons quand vous voulez, je ne suis pas à votre niveau. Même quand je suis avec des gens d'un certain niveau, ils me voient, je suis petit, je suis jeune, je les étouffe. Des fois, ils se concentrent pour dire que mais le petit là, c'est qui? Il sort d'où? Oui, Franck Naf me demande, donc tu es un intellectuel? Oui, je suis un intellectuel. Ça te demande, si tu n'es pas content, c'est ton problème. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent mourir quand ils entendent ça. Mais tu le Kami te prend pour qui? Hein? Il se prend pour un intellectuel. Parce que pour les francophones, évidemment, on a mystifié le mot intellectuel. Pour vous, l'intellectuel, c'est... Je ne sais pas. Il y a d'autres... Il a même dit qu'il est un écrivain. Il est qui pour se prendre? Il est Victor Hugo. Donc pour vous, pour être écrivain, il faut être Victor Hugo. C'est ça, la francophonisation des esprits. On a fait croire à quelques gens que non... Pour être à ce niveau-là, il faut être Aimé Césaire. Et tout ça, ça montre vos frustrations. Je vous rappelle qu'il n'est pas tard. Il y a ce qu'on appelle les nègres. Et chaque fois quand je parle des nègres ici, je n'ai pas la prétention d'être votre professeur, mais je vous rappelle que nègre ici n'est pas que péjoratif. Nègre signifie beaucoup de choses. Si on veut, par exemple, écrire un livre, on a peut-être l'idée et on ne sait pas comment s'y prendre parce que l'écriture est une autre chose. On n'en a pas les capacités. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut consulter quelqu'un qui va écrire pour soi. Ceux-là, ils s'appellent les nègres. Donc, si vous n'en avez pas la capacité, au lieu de jalouser Bertie Lekamit, il faut faire comme le jeune Camerounais. Là. Il y a un jeune Camerounais qui s'appelle... Ulrich quelque chose, c'est un jeune là, j'avais présenté son livre ici, Ulrich, le titre de son livre c'est Boza, un petit qui est parti de, ou c'est Manoka, un quartier quelque part là-bas à Douala, qui est arrivé, qui a Boza et tout, il a fait 5 mois en route et il a Boza, il a rencontré un groupe d'écrivains dans une ville française ici, et les gens, c'est un collectif en fait qui s'est mis, et il a raconté son histoire de façon orale, n'est-ce pas? Et les gens, ils ont enregistré, ils ont fait un livre. Le titre, c'est Boza. Je l'ai acheté, je crois, à 22 ou 26 € à la FNAC. J'ai lu, je vous avais déjà présenté le bouquin ici. Il a fait recours à un nègre. C'est-à-dire que quand on finit son travail, 326 ou 330 pages, on lui dit, bon, c'est ton travail? Tu dois essayer quand même de relire tout le bouquin. Il a dit, non, c'est pas possible, vous n'allez pas me punir, je ne peux pas lire un livre qui fait 330 pages. On a dit, non, tu vas le lire. Parce que de toute façon, il faut que tu lises et il faut que tu signes. Tu dois émerger pour finaliser ton travail. Il a dit que c'était trop lourd pour lui. Mais après, voilà. Il a raconté son histoire oralement. Les nègres l'ont mis sur du papier, c'est tout. Si vous voyez que vous n'en êtes pas capable, faites comme le jeune Ulrich là, au lieu de venir jalouser Bertie Lekamit. On voit, ils essayent de faire la promotion d'autres livres. Mais quand il s'agit du livre de Bertie Lekamit, ils essayent de botter ça en touche. Vous croyez que c'est en bottant en touche que mon livre ne va pas fonctionner? Les Arabes lisent mon livre. J'étais à Place de la République hier.
J'étais avec les Africains. Hein. On est venu hier, place de la République, pour manifester contre voilà, notre mécontentement par rapport à tout ce qui est arrivé aux migrants au Maroc. Je suis arrivé avec mes bouquins. J'ai vendu je ne sais pas combien de livres hier. La plupart, c'est des Blancs et des Arabes qui achetaient. Dans la communauté, même, il n'y a que deux personnes qui ont acheté, deux. De l'autre côté, là, il y avait des gens qui étaient venus pour Julien Assange, le monsieur qui a créé Wikileaks et qui est en prison, là. Je suis allé là-bas, j'ai pris la parole, j'ai présenté mon livre. Les gens étaient là, ils faisaient la queue pour venir acheter. C'est des Blancs, c'est des Arabes. Donc, tu crois que parce que tu ne prends pas peut-être le livre pour présenter sur ta page de peur de me faire la pub, tu crois que moi, mon livre ne va pas se vendre? C'est de la jalousie pure et simple. Et vous n'allez jamais m'atteindre si vous continuez comme ça. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Récemment, au boycott de Grâce des Cas, tout ce qui a eu comme des coups et tout ce qui s'est passé là-bas. Il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient peut-être... Je suis un lion. Je suis comme les Haïtiens là. Quand vous voyez, on dit que le symbole du peuple haïtien, c'est le palmier. C'est le palmier spirituel, c'est le palmier magique. C'est-à-dire, il peut se tordre dans tous les sens, mais il ne rompt pas. Je suis un lion qui va toujours renaître de ses cendres comme le phénix. J'ai vu des combattants jubilés, les Salomon Tchapchet. Oh, Betty, le Kamit est parti. Oh, on lui a donné des coups de poing. Je prends des coups pour défendre l'honneur du peuple bamileke et de mes ancêtres. S'il faut reprendre encore, vous organisez un boycott dans lequel vous dites que si vous boycottez, on va casser les boutiques des bamileke, on va les chasser, il va rentrer à l'ouest. Il s'agit de mon peuple. Et à partir de ce moment, vous me touchez directement. S'il faut prendre des coups, je prendrai des coups pour défendre l'honneur et la dignité de mon peuple. Parce qu'il faut qu'il y ait bien sûr des bamileke qui ont des couilles comme moi pour se lever et dire non à tout ce qui est en train de se passer dans ce pays. On ne peut pas accepter cela. Et qu'ils s'organisent où qu'ils sont, qu'ils font leur réunion pour dire qu'ils vont s'attaquer aux bamileke. Vous allez me voir devant. Et je veux prendre des coups pour la dignité de mon peuple. Nous, on était allés boycotter Grâce des Canons. Ils ont fait quoi? Ils ont cassé des boutiques. Qu'ils cassent, ils vont voir. Vous n'avez pas toujours compris que je suis prêt à certaines choses quand il s'agit de vous attaquer à la dignité de mon peuple. Moi, je suis prêt à tout. Il y a donc certains qui ne comprennent pas l'enjeu de ce que je fais. C'est pour ça que je dis que je pense à certaines choses et il y a déjà réalisé, je suis passé à autre chose. D'autres sont encore derrière, ils essayent de comprendre. Il y a déjà compris depuis, je suis passé à autre chose. Ceux qui n'ont pas compris pourquoi je suis allé au boycott de Grâce des Cas. Je ne suis jamais allé à un boycott. Vous n'avez jamais vu mes pieds à un boycott. Mais je suis allé au boycott de Grâce des Cas. Qu'ils organisent encore, la même Grâce des Cas revient, ils menacent les bamileke, j'irai encore là-bas. Ça va sortir comme ça va sortir. Vous avez vu des Salomon Tchapchet qui sont sortis. Ah, Bertie, le Kamit, il fallait même qu'on le tue. Bah, ils sont partis jubilés. Regardez les gens avec qui tu dis que tu combats. Tu es au front. Je suis un lion pour m'en sortir parmi tous ces gens. Ils étaient au moins une douzaine. Avec des gros muscles, des gros bras comme ça, j'ai pu m'en sortir. Parce que moi-même, je suis un lion. Ils ont agressé des camarades là-bas. Vous avez les images sur la toile où ils agressent. Ils sont peut-être 15 sur une seule personne. Ils sont en train de taper, ils donnent des coups de poing. Vous avez les camarades avec qui vous marchez dans la rue depuis 4 ans. Ils sont en train de se moquer. L'autre organise la dent dentée de lion, là, organise sa part. Les autres là-bas, il fallait même qu'on le tue. Il fallait qu'on ceci. Regardez les gens avec qui vous marchez. Vous croyez que moi, je peux me faire des amis dans le combat? Il y a Victor Ndikoum là qui me dit que Betty le Kamit, tu ne peux même pas avoir un ami. Tu crois que moi, je trouve l'amitié dans la racaille? Mes amis, c'est la haute société française. Je ne traîne pas avec les racailles. Si ça ne vous plaît pas, ça, c'est votre problème. Je traîne avec des élus de ma ville. Je traîne avec des gens qui ont un certain niveau. Je ne me mêle pas à la racaille. Même si parmi certains, il y a quelques têtes que j'ai pu remarquer qui sont des personnes crédibles. Mais la plupart, là, c'est du n'importe quoi. Ils ont peut-être cru que c'était l'occasion pour eux de fragiliser Bertie le Kamit. Sauf que je suis devenu encore même plus fort. Ils n'ont même pas compris un truc, c'est que je me suis fait plus d'argent. Ils n'ont même pas compris. J'ai fait le compte l'autre jour, j'étais à 117 livres vendus. Depuis le 14, le 13 mai, là, le truc de boycott de Grâce des Cas. Il y a même certains peut-être qui ne me connaissaient même pas, qui m'ont découvert.
Et qui étaient curieux de savoir qui je suis, ils ont commencé à poser des questions. Qui est celui-là? Ah, c'est un auteur, il a écrit un livre. Même les niais, les gendarmes qui étaient là-bas à Bandouf, m'ont appelé, ils ont acheté les livres. Parce que le gendarme qui vient, il voit la scène et tout, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyou qui sort là-bas, il m'a dit que celui-là, c'est un agresseur, il a le couteau. Quel couteau? Moi, je porte un couteau? Depuis quand? J'ai expliqué aux gendarmes que ce sont eux les agresseurs, pas moi. La preuve, moi, je suis un citoyen honnête. Ils ont donc cliqué sur ma page Facebook pour dire que hein, c'est un activiste. Voilà ce qu'ils font, c'est des activistes. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que les niais se sont arrêtés plutôt sur mon profil. Ils ont vu un livre. Ils ont dit, mais alors, monsieur, ça veut dire que vous écrivez, vous êtes un écrivain. Je dis oui. Il dit, ah bon? Oui. Il prend donc, il tape sur la couverture, regarde, Folie et calvaire des migrants. Il dit, mais ça parle d'immigration et tout. Il dit, oui, j'ai retracé dans ce livre tout mon parcours, toute mon histoire. Et c'est pour ça que j'en veux au régime de Paul Biya, parce que dans mon pays, le Cameroun, ce président m'a tout refusé, comme il a tout refusé à la jeunesse de son pays. Et il y avait le blanc, il y avait un arabe qui a dit, ben, ne vous inquiétez pas, je suis français, mais j'ai des origines maghrébines. Donc je comprends bien, n'est-ce pas? Je comprends bien vos revendications. C'est les niais eux-mêmes qui achètent, ils achètent le livre pour lire, pour comprendre pourquoi je me bats. Quelques racailles pensent qu'ils peuvent moi m'éteindre. Je suis un esprit qui vient de très loin, je vous le rappelle. Et je ne suis pas à votre niveau. Vous allez tout faire, vous n'allez pas pouvoir m'éteindre. Ils ont même fait déjà, ils organisent souvent des réunions entre eux, ils ne m'invitent pas. Il y a toujours les gens qui demandent, où est Bertil le Kamit? Parce que ma place dans le combat est incontournable. Franck Nafé, il faut savoir que je te vois souvent dans mes lives. Tout à l'heure, je voulais te bloquer, mais j'ai des doutes. Je ne sais pas si. Mais je suis en train de lire tes commentaires. Autant décliner une fois tout ce que tu penses. Ça va me permettre de savoir qui tu es exactement. Et s'il faut te virer, je vais te virer de ma page. Comme j'ai bloqué des milliers de personnes. Je ne traîne pas ici avec des gens qui ont des discours bizarres. Salut, Mado Keraro. Donc, j'étais en train d'expliquer des choses très simples que les gens comprennent. Les commandes de livres partout. Les commandes. Et bien, le compte de toujours 117 livres vendus, multipliés par 15 euros. Il y a même des gens qui achetaient à 20 euros, même ils disent que garde la monnaie. C'est le fruit de mon travail. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas escroqué les litchis dans le combat. Je sensibilise depuis des années. Moi, je fais mon travail. Au-delà du Cameroun. Même sur le plan panafricain, j'ai une certaine influence. Même dans ma ville, ils me connaissent, je travaille avec les jeunes de quartier. Les parents me connaissent, même quand je passe. Il y a beaucoup d'enfants dans mon quartier que j'ai sensibilisés, qui sont aujourd'hui des kémites, des panafricains purs et durs, qui me disent que tonton, moi je vais chercher une femme africaine, je vais chercher l'une de mes sœurs, je veux la rendre heureuse. Les petits, il y a juste quelques années, me disaient, ah non, je veux une blonde. Si j'ai pas de blonde, je serai pas heureux dans ma vie. La femme noire, c'est de la merde. J'ai sensibilisé des enfants de mon quartier. Je suis allé même jusqu'à faire des problèmes avec la mairie parce qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas le combat que moi je menais. Je leur ai dit, il n'est pas possible qu'en France, qu'on organise ce genre d'événement pour nos enfants. Pendant que les enfants des autres vont en vacances dans leur pays d'origine, ils font des choses, ils vont dans des musées, des conservatoires, ils voyagent, ils font des excursions pédagogiques sur plein de choses pour découvrir. On va ramasser les enfants de ma ville, qu'on va clochardiser quelque part, ils sont dans la piscine municipale en train de nager. Où sont leurs parents? Pourquoi ils ne vont pas en vacances, ces enfants? Ils ont organisé une affaire de Ndombolo. Ils mettent Koffi Olomide Fally pour pas où on tourne les fesses. Je suis venu là-bas, j'ai fait toute la vidéo et tout, j'ai enregistré. J'ai contacté les gens de la mairie, j'ai dit, ce n'est pas normal. Nos enfants, ce n'est pas du Ndombolo. Il faut arrêter ça. Ils m'ont dit, non, vous savez, on a trouvé que c'était bien pour eux, pour les occuper pendant les vacances. J'ai dit, mais il y a d'autres activités pour occuper nos enfants qui sont des trucs plus intelligents. Vous croyez que les Blancs sont bêtes? Ils savent ce qu'ils font. Ils savent qu'en orientant nos enfants vers la perdition, aller danser du Ndombolo là-bas, leurs enfants sont dans des vrais centres en train d'apprendre des choses et demain ils vont toujours contrôler nos enfants.
Combien prennent ces initiatives-là? Moi, je me suis insurgé contre cela. Voilà le rôle de quelqu'un qui apporte un plus. Vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous comprenez même l'enjeu qu'il y a derrière? Vous ne comprenez pas. Vous croyez que Bertie, c'est votre camarade. Vous croyez que quelqu'un va appeler pour dire que Bertie, le Camille, vient, on va aller boycotter le livre de Martin Camus Mime à la FNAC. Moi, je veux me lever, je cours avec vous. Vous croyez que vous pouvez me diriger? Non. Je suis plus intelligent que vous. C'est moi qui dois vous dire ce que vous allez faire. Je ne suis pas dans le combat pour être l'abeille de quelqu'un. Bertie, le camarade, a fait telle action, on a vu. Tu crois que moi, je me lève, je fais des trucs à la con? On va aller à la FNAC boycotter le livre de Martin Camus Mime. L'homme de Tuyade a pris des coups partout au Cameroun. Il a été en prison. Il a tout ce qu'il a été fait. Vous vous levez pour aller boycotter son livre. C'est normal. Allez le faire. Mais vous allez le faire sans moi. Parce que je trouve cela injuste. De me lever, aller boycotter le livre d'un autre monsieur qui a déjà été suffisamment puni par le peuple camerounais. Alors que moi-même, je suis un jeune auteur qui essaie de faire la promotion de mon livre et de porter une cause. Les idiots se rassemblent pour dire que Bertie doit venir avec eux pour aller faire ça. Je leur ai dit, je n'irai pas. Bertie de Kamitade a fait quelle action? Il en a arrivé, il a fui. C'est que vous êtes idiot et vous pensez que vous pouvez me traîner dans votre idiotie. Je ne suis pas de votre calibre, mes amis. Je pars pour le boycott des bananes qui viennent de chez moi dans la société de Ndjombela, où le jeune Yitembe a été enfermé parce qu'il a dit le truc de la mère de Paul Biya. Et il s'est plaint de la société dans laquelle il travaillait. Voilà des causes que moi je peux porter. Otep signifie salutation. Otep, que la paix soit avec vous. Que la parole que je vais prendre, n'est-ce pas, vous apporte un plus. Otep, comme rester en paix, voilà, c'est ça, c'est dans le jargon des Kémites. C'est une salutation. Je pourrais peut-être plus développer ça une autre fois. Mais là, je suis en train de parler à quelques des petits nègres là qui pensent que moi, je suis leur camarade. Voilà des luttes que moi, je porte. Voilà les luttes que nous portons avec le président Jules Chateau qui est là de l'association Les Enfants Moniques, les fous de cœur. Depuis combien d'années nous scolarisons des enfants au Cameroun? Depuis combien d'années nous avons fait aujourd'hui plus de 400 femmes que nous avons fait accoucher au Cameroun, y compris des opérations avec des césariennes. Et il y a le bilan. L'association est là, l'association fonctionne. Contactez l'association Les Enfants Moniques, les fous de cœur. Apportez votre contribution. Nos sœurs qui sont dans les coins perdus du Cameroun, qui accouchent sans jamais avoir fait de visite prénatale. Nous nous battons pour ces causes-là que nous portons depuis des années. L'association existe. C'est l'une des associations les plus claires, les plus crédibles en diaspora. Quand je mets ma main quelque part où je parle d'une association, c'est parce qu'elle a une certaine crédibilité. Ça naît après la mort de Monique Oumatekel, qui est notre héroïne. C'est de là que part l'association Les Enfants Monique, les fous de cœur. Tous les dimanches à 19h, nous faisons des lives que vous pouvez voir, je partage sur ma page. Mais il faut aller sur la page officielle même. Écrivez, posez des questions. Contactez-moi inbox si vous voulez participer à cette belle aventure. Pour cotiser, ça ne demande pas des millions. 10 euros, 20 euros, 30 euros. Suffisant tous les mois. Vous savez que le peu que vous donnez à hauteur même d'un euro par jour, ça fait vivre, ça fait sauver des vies au Cameroun de nos sœurs qui accouchent sans avoir connu ce qu'on appelle une simple petite visite. Pour des enfants orphelins, pour plein de choses que nous faisons. Voilà des causes que nous portons. Vous me comparez aux activistes qui se lèvent et qui crient partout. Je ne suis pas à votre niveau. Je mène un autre combat. Mado Keraro dit exactement, ma fille a commencé à briller ici à l'école car en avance sur le programme scolaire que j'ai pris le temps de travailler avec elle. En réaction, la réaction a été immédiate. Tantôt, elle doit s'inscrire à la bibliothèque, elle doit s'inscrire dans un club sportif quand elle a du potentiel et m'étant ainsi opposé à cela, on a commencé à l'inciter à rester beaucoup plus à la bibliothèque de l'école pendant que d'autres faisaient des cours. Le tout, si j'ai dit à son père que c'est lui maintenant d'y aller car c'était toi, voilà, la tcham verbalement et je vais conjuguer le verbe à tous les temps, voilà, ça c'est le message de Mado Keraro. Les leucodèmes que vous voyez là, ils sont très intelligents. Ils sont très malins.
Ils ont compris. Voilà des risques que moi je prends pour ma communauté, pour mon peuple. Porter la cause de ces enfants-là en disant ils ne doivent pas traîner dans ces coins-là, vous les mettez du ndombolo. En plein vacances, vous allez à la piscine municipale, les enfants arabes, vous ne les voyez pas. Les enfants blancs, vous ne les voyez pas. Il n'y a que des enfants noirs qui sont à la piscine en train de nager. Mais c'est choquant. Où sont les parents? Pourquoi ils ne vont pas aussi en vacances? Ils sont là en train de traîner. C'est le seul coin où ils peuvent traîner. Et on les amène quelque part là-bas, on fait un truc, on organise le ndombolo. Bertie le Camille sur YouTube, vous cliquez, vous allez retrouver cette vidéo. Je l'ai partagée il n'y a pas quelque temps encore sur ma page. Vous dire, regardez. Où sont les enfants des autres? Ils sont dans des trucs en train d'étudier, en train de penser la France de demain. Le Olivier Tchama est capable de porter une telle cause? Est-ce qu'il comprend même d'abord l'enjeu? Il faut d'abord comprendre cet enjeu-là. Moi, c'est fait exprès. Hein. Et dit, Hillary dit, la mienne a voulu être orientée dans le foot. Et j'ai dit non. Tout ça est fait exprès. Et vous devez vous battre pour que nous puissions triompher, que nos enfants puissent avoir des postes qu'ils veulent. Pas qu'on les oriente. Moi, je suis arrivé pour l'emploi. Moi, je voulais trouver une formation. Moi, j'ai du potentiel pour faire beaucoup d'autres choses. Même si la sécurité, ça reste aussi un métier comme un autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités dans la sécurité. On peut passer s'il y a un chef, s'il y a deux chefs d'équipe, on peut passer s'il y a trois chefs service, on peut passer encore le niveau, il y a le RV2, il y a des niveaux au-dessus. On peut travailler dans des cabinets, il y a beaucoup d'ouvertures dans la sécurité. Mais moi, quand j'arrive à Pôle emploi, moi, je dépose mon dossier et tout, c'est pour faire une autre formation. On me dit non, il n'y a pas place là-bas. J'ai tout fait, ils m'ont dit non. Quand je vais sortir, on m'appelle, on me dit, mais monsieur, vous savez, j'ai quelque chose, c'est formidable, hein, c'est demain. Ah bah oui, si vous venez demain, il y a une réunion demain, et puis tout de suite, hein, on vous fait partie en formation et tout. J'ai demandé, c'est dans quel domaine? La sécurité. C'est Pôle emploi. Ils me disent que tu vois, c'est la sécurité. Tout de suite, comme par hasard, ils ont trouvé une place pour la sécurité. Quand tu demandes une autre formation, ils te disent, non, il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent dans les caisses. Oh, la formation, ça coûte trop cher. Blablabla. Ils te sortent toujours des trucs. Voilà. Donc, j'ai essayé dans ce live. La deuxième partie de ce live, je vais l'aborder en quelques minutes. Mais il est important, parce que j'ai bien précisé ici, qu'il est important pour moi de voir quel est vraiment... Est-ce que quand moi, la Panthère fera une sortie avec Benjamin Niad Barano pour expliquer réellement ce qui s'est passé hier? Parce que je suis tombé sur une vidéo de Solo Boumaï qui dit comment ils sont partis avec le général Wanto, la Task Force et autres. Boycotter le chef Bangoulap dans la maison de la sœur de Kamwala Panthère. Donc, je suppose que c'est là où c'est cette dame-là, cette brave dame qui accueille souvent les combattants chez elle après les manifestations et autres. Je suppose que ça doit être elle. Hein. Donc, ils sont allés là-bas et tout. Et il y a eu boycott du chef Bangoulap qui était là-bas. Et les gens ont dit que ce n'est pas ta place ici. Il faut que tu retournes au Cameroun. Tantôt, dans une vidéo, on dit que Niad Barano... Et quand moi, je ne sais pas où c'est, Niad Barano a menacé les combattants que vous n'allez pas boycotter mon chef. Et il y a une autre vidéo où quelqu'un dit que non, quand moi et Niad Barano ont disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Ils ne voulaient pas qu'on boycotte leur chef. Mais chose curieuse, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que les mêmes, il y a le même Kamwa la Panthère, il y a peut-être 2-3 ans aujourd'hui, avait boycotté le même roi Bangoulap. Quelque part ici à Paris. Mais hier, il fait partie de ceux-là qui se sont opposés. Mais d'un autre côté, on peut boycotter les autres. On peut boycotter les autres, mais il faut empêcher les gens de boycotter son roi à lui. C'est-à-dire que on boycotte d'autres sardinats, mais on protège son propre sardinat. Je ne sais pas si j'ai bien compris la situation.
Et ceux qui sont en train de regarder le live, peut-être qui ont plus d'informations, qui en savent peut-être mieux, parce que moi, je n'ai pas toutes les informations. J'ai essayé d'appeler une combattante hier qui était sur le terrain, mais elle ne m'a pas rappelé pour que je puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Mais de ce que j'ai vu, la vidéo de Solo Boumaï sur la page d'Olivier Tchanan, que j'ai vu ça même que tout à l'heure, il n'y a même pas 3 heures, pour comprendre que Solo Boumaï et autres sont rendus là-bas pour le boycotter. Et ceux qui sont souvent dans les rues maintenant, notamment Niad Barano et Kamwa la Panthère, qui sont dans les rues pour dire que non, on doit boycotter les autres, se sont plutôt battus pour protéger leur sardina à eux qui est le roi Bangoula. Merci à toi Eddy Hilary. Je vais donc aller sur la page de Omer de Banjoun, soit je vais l'appeler directement pour en savoir plus. Bon, voilà un brillant combattant qui était sur le terrain. Donc j'aurai plus d'informations ou bien je vais appeler à l'occasion Kamwa la Panthère pour en savoir plus. Mais il est question ici que Kamwa, le Barano et autres fassent une sortie pour éclairer le peuple sur ce qui s'est passé. Parce que c'est très très grave. Oui, il faut le dire. C'est très très grave. Un instant. Donc, il est urgent ici à Kamwa la Panthère et à Benjamin Niad Barano que nous interpellons à faire une sortie assez claire sur cette question pour donner leur position et expliquer au peuple. Parce que le peuple camerounais veut des explications. On veut comprendre exactement ce qui s'est passé. Mais il est important de souvent retenir. J'ai suivi cette histoire qu'il y a un qui a sorti le couteau pour menacer d'autres combattants. Je ne sais pas si... Mais j'ai vu la police sur les lieux. Ça veut dire que c'était une affaire sérieuse. Mais il est important ici de rappeler que le temps fera son travail. La sélection naturelle est en train de faire son travail. À la fin de ce combat, vous direz que Bertie Le Kamit a été l'un des plus sincères et un visionnaire. Avançons dans le combat. Poursuivons cette lutte jusqu'au bout. Et vous allez voir au fil des années. On a commencé en 2018, non? Quand on faisait des lives, il y avait le monde comme ça. 5000 personnes, dans 5000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Nous, on finissait des lives, tu cliques ton truc, tu vois, il y a 55 000 vues. Tu cliques ton live, tu vois 60 000 vues. Quand on fait nos lives aujourd'hui, il y a de moins en moins. Quand on disait manifestation, 45 000 personnes, place de la République. Aujourd'hui, quand on fait des lives, il y a 150, 200 personnes. On ne se décourage pas. On tient. On maintient la résistance. Demain, s'il fait tout là, on sera toujours là. Le combattant Kamwa la Panthère dit, c'est justement ce que je suis en train de dire. Donc ne fais pas comme si je suis en train de dire. Il est important d'avoir, j'ai même cité ton nom en plus, que soit je vais appeler Kamwa pour en savoir plus, soit je vais appeler Omer de Banjoun. Je ne sais pas si tu étais déjà dans le live. Je ne suis pas quelqu'un qui parle dans le dos des gens. Tu sais que quand je veux parler, moi je parle. Je ne mange chez personne. Et il n'y a personne dans le combat qui me donne des ordres. Si tu étais là quelques minutes, tu as bien suivi ce que j'ai dit. On est dans des analyses, on est dans des interprétations, mais il est important d'avoir ceux-là. C'est pour ça que moi j'ai dit, je vais directement appeler Omer de Banjoun qui était présent sur les lieux. Et hier, j'ai appelé la combattante Cathy Weiss. Elle n'a pas réagi.
Peut-être qu'elle était occupée. J'attendais qu'elle me rappelle parce que j'ai vu un truc en passant. Je n'ai pas eu le temps. J'étais occupé. J'ai dit, je veux comprendre ce qui s'est passé. C'est tout à l'heure, il n'y a même pas 3 heures que j'ai regardé. Olivier Tchan n'a pas fait un partage sur sa page d'une vidéo de Solo Boumaï, dans lequel, la vidéo dans laquelle il cite Niat et autres, Kamwa et autres. Voilà. Mais j'ai dit, le peuple a besoin que vous fassiez une sortie pour clarifier la situation. Bertie, lorsqu'on veut savoir la vérité, on appelle ou on demande aux personnes présentes ce qui s'est passé. Je n'étais pas en Belgique et tu sais très bien que je ne fais pas partie du groupe des boycotts. Pourquoi vous aimez le bashing comme ça? Voilà, ça c'est plutôt toi, Kamwa la Panthère, qui dit des choses qui ne tiennent pas la route. Kamwa la Panthère, le matin, le midi et le soir. Vous ne vous fatiguez pas. Voilà, donc c'est toi plutôt qui ne m'as pas compris. Et il y a même des gens qui sont dans le live qui sont en train de te dire ça, que tu ne m'as pas compris. Ça veut dire que tu es venu peut-être après. Je fais le live là, ça fait combien de temps? 1h26. Je n'ai pas prononcé le nom de Kamwa la Panthère ici pendant 1h24. Donc si j'ai commencé à parler du boycott en Belgique, c'est même là, il y a un combattant qui m'a dit que parle de la deuxième partie du live. J'avais effectivement prévu de parler de la deuxième partie du live. Mais je suis déjà à plus de 1h quelque chose. Bientôt 1h30 de live. N'est-ce pas? Évidemment. Donc, quand moi, la Panthère et les autres, vous êtes appelés à la barre, il faut faire une sortie pour clarifier la situation. Qu'est-ce qui s'est passé au boycott du roi des Bangoulap? Eh bien, j'étais en train de préciser tout à l'heure que ceux qui sont vrais, ceux qui ne sont pas vrais, ceux qui sont ci, qui sont ça, il faut que vous sachiez une chose. La sélection naturelle fait son travail. Et à la fin, vous allez vous rendre compte du combat. À la fin, les qui étaient les plus sincères. Et je sais que beaucoup vont déchanter parmi ceux qui ont passé leur temps à me combattre, à me jalouser, à me haïr. Vous vous rendez compte à la fin de beaucoup de choses. Et j'étais en train de poser la question. Voilà quand on dit qu'il n'était même pas là. Mais dans la vidéo de Solo Boumaï, il dit que Niat Barano et Kamwa la Panthère et tous les autres sont ceux-là qui sont venus les attaquer. Ils étaient violents alors qu'eux n'étaient pas violents. C'est pour ça qu'il est difficile souvent dans le combat de certains. Quand tu écoutes la vidéo de Solo Boumaï et tu écoutes ce que Kamwa dit maintenant qu'il n'était même pas là. C'est pour ça qu'on perd les gens dans le combat. C'est pour ça que j'ai dit hier, j'ai appelé pour en savoir plus, je n'ai pas eu. Et là, je vais appeler à quelqu'un qui m'a dit que Omer de Banjoun a fait un live et Cathy West aussi a fait un autre live pour clarifier la situation. Donc, quand moi, apparaît maintenant dans le live, et il me prend là, il veut me prendre à contre-pied, comme si moi, j'étais en train de faire un live sur lui. Mon live ne porte pas sur Kamwa la Panthère. Si tu viens d'arriver dans le live, c'est certainement le cas. Mais avant ça, je parlais des combattants, sans jamais citer le nom de Kamwa. Et moi, je répondais à Olivier Tchanan, je citais d'autres combattants, et également, j'étais en train de parler d'une autre dimension du combat dans lequel je me trouve, dans laquelle je me trouve. Une dimension qui est beaucoup plus intellectuelle, une dimension même spirituelle, une dimension qui est tellement. Donc tu comprends pourquoi deux fois dans le combat c'est compliqué. D'un côté on te dit que Kamwa Niat Barano, quelqu'un a sorti le couteau, je ne sais plus quoi, pour menacer les combattants. Et là tu as Kamwa qui dit qu'il n'était même pas là. Qui comprendre, qui croit. C'est pour ça qu'il faut faire une sortie claire pour clarifier une situation. Si tu sais que ton nom est cité quelque part, Kamwa la Panthère, au lieu de faire un post comme tu es en train de le faire, là, un commentaire comme tu es en train de le faire, fais un post clair, soit par écrit, soit tu fais une vidéo, tu fais une sortie, tu expliques les choses clairement. Là, ça va taire, ça va absorber tous ces doutes-là et autres. Ça va dissiper tous ces doutes-là. Il faut faire une sortie. C'est aussi simple que cela. Aussi simple. Donc, c'est quelque chose qui... Il y a quelqu'un tout à l'heure qui voulait prendre la parole. Je ne sais plus c'était qui. Si la personne veut prendre la parole, il est temps parce que j'ai presque terminé mon live.
Donc, regardez le paradoxe. Hein. Voilà, je voulais parler de ça. Regardez donc le paradoxe. Vous allez voir, le même camarade de Kamwala Panther, il est très très virulent là envers moi. Qui est quelqu'un que j'ai toujours soutenu. Hein. Même si sur d'autres points, je ne le soutiens pas. Et quand je ne soutiens pas Kamwa, je fais une sortie claire. Comme quand il est allé voir Lolo Fondjai. Moi, j'ai fait ma sortie, j'étais clair là-dessus. Kamwa la Panthère ne doit pas faire certaines choses. Mais Kamwa lui-même qui est là, il va se plaindre de moi. Mais sans se rendre compte du nombre de coups de poing que je prends tous les jours par rapport à ce même Kamwa. Donc, tu ne te rends même pas compte des coups que moi je supporte pour toi. Parce que les gens m'accusent d'être pro-Kamwa. Les gens m'accusent de soutenir Kamwa la Panthère. Les Wayo, quand ils veulent parler de Kamwa, si c'est un truc que ce n'est pas vrai, je leur dis que vous êtes en train de mentir. Des fois, il y a que c'est le truc que j'étais là et je témoigne en disant que ya, ce n'est pas vrai. Moi, je prends des coups parce que ils disent que moi, je suis pro-Kamwa la Panthère et que je le soutiens, je le défends. Mais vous allez voir que c'est bizarre parce que le Kamwa la Panthère, là, lui-même semble ne même pas se rendre compte que moi, je prends des coups tous les jours pour sa tête. C'est ce qui est bizarre dans le combat. Très, très bizarre dans le combat. C'est quelque chose de bizarre. Donc, d'un côté, on t'accuse d'être pro-Kamwa qui le défend. Tu te prends des ennemis. Mais lui-même ne semble, lui-même, je veux dire plutôt, ne reconnaît même pas que, quelque part, tu prends des coups pour lui. Mais pour défendre la vérité. Attends. J'ai accepté, hein. J'ai accepté, mais c'est en train de tourner, c'est en train de chercher. Donc, c'est en train de chercher, ça a dit ajout en cours. Comme la dernière fois, je ne sais pas si ça va passer. Bon, là, tu mets refus. L'appareil me met refus. Sors du live ou tu reviens dans le live. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a quelqu'un qui dit que, mais Kamwa la Panthère n'est pas responsable des actes posés par sa sœur. Au lieu de laisser donc le doute pénétrer l'esprit des gens, autant faire une sortie claire pour clarifier la situation. Ajout en cours. Ça bug, mais c'est en train d'ajouter ça. Ils m'ont dit ajout en cours. Je suppose que c'est en train de... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? Adonis Batoumi, le gros truc de ta mère, je ne veux pas ce genre de choses ici sur ma page. Même si tu insultais quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, je ne vais pas supporter ça ici pendant trop longtemps. Il n'y a pas des choses comme ça sur ma page. Et là, je vois que c'est même un nouveau profil. Presque tous ceux qui me suivent, moi, je les connais. Non, pas non. Je sais que la plupart du temps, les mêmes gens qui reviennent dans mes lives. Je suis quelqu'un de posé dans mon coin qui fait ses lives. Les gens de parole, là, il n'y a pas ça dans mes lives. Pardon, ne recommence plus ça ici. Donc, j'essaie de voir si je peux t'appeler sur WhatsApp comme la dernière fois. Parce que là, ça ne passe pas.
Oui, on t'écoute. Ouais, bonsoir, merci. Bonjour, mes écouteurs. Ouais, le temps que le camarade Kamwa mette ses écouteurs, j'ai mis le haut-parleur, donc il est déjà en live. Merci. Quelqu'un me dit là-bas volume. Donc, je ne sais pas quel genre de volume je peux encore mettre. J'ai mis déjà tout mon volume ici. Donc, Kamwa la Panthère, le peuple en live, le peuple veut savoir qu'est-ce qui s'est passé hier concrètement en Belgique, sachant que j'ai suivi un morceau de Solo Boumaï qui t'accusait, toi, Eniap. Et je n'ai pas suivi la sortie de Omer de Banjoun ni de Cathy Wiss. Mais ça tombe bien que tu sois là toi-même. Le peuple veut savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé hier au boycott du roi Bangoula en Belgique. Oui, je voulais d'abord te dire, Bertie, bonsoir, parce que j'ai effectivement pas suivi tout ton live. Je l'ai pris en moitié et j'ai vu, comme tu disais tantôt, tu m'as pas cité, mais je vois bien qu'à l'entame de ton live, tu me cites même si tu n'avais pas prononcé mon nom. Et ce que je t'écris tantôt, ça revient, tu vois, à ce que je voulais te dire. Quand il y a des informations, pareil, je pense que tu as mon numéro, la preuve, tu m'appelles. Je t'ai pas sur le terrain, tu m'appelles, tu essaies de savoir ce qui s'est passé. C'est tout simplement ce que je veux dire. Et là, j'ai lu quelqu'un écrire, tout moi, j'étais à Bruxelles. Non, un peu, sois un peu sérieux. Ça veut dire, en réalité, je suis au tribunal, en fait. Je dois être comptable de tout ce qu'un membre de ma famille fait. Si mon neveu veut la Marseille, si mon neveu veut la Marseille. Un instant, s'il te plaît. Vous qui suivez le live, est-ce que vous entendez qu'à moi? C'est bizarre, vous me dites que mon volume est bas, mais son volume est pourtant très bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous l'entendez très bien? Continue, continue. Voilà, ça veut dire que mon neveu va voler à Marseille et moi on vient voir à Dijon m'arrêter en disant que c'est comme moi. À un moment quand même, il faut qu'on fasse quand même preuve d'intelligence. Je ne suis pas comptable, je le dis bien, je ne suis pas comptable des actes d'un membre de ma famille. Parce qu'il y avait un moment, quand il avait commencé à m'insulter sur la toile, mais plus personne ne disait, tiens, comment est responsable des insultes de son frère par rapport à lui-même. Là, ça va tout le monde. Mais quand on va agir, ou quand un membre de ma famille va agir, on va me voir à Bruxelles. J'étais à 800 km de Bruxelles. Est-ce que je peux être à deux endroits différents? Je suis en vacances avec mes enfants depuis vendredi soir. Vendredi soir, j'ai été informé. Il n'y a personne qui était donc sur place. Pourquoi tu ne t'appelles pas pour demander si on m'a vu, on m'a aperçu? Non. Mon nom Mais est cité dans les lives. attends, Mon nom est cité dans les lives. attends, Non, c'est c'est quand même bizarre parce incroyable que je ça. peux. Je suis comptable. Est-ce que je suis comptable de ce que ma soeur fait? Bertil Camille, tu n'es jamais nié, hein? Je le dis ici. Tu sors de la famille royale de Bangoulap, pas de Bamanté, j'ai précisé de Bangoulap. Je n'ai jamais nié. J'ai toujours assumé que je suis un prince de Bangoulap. Mes soeurs sont des princesses. Mais vous oubliez quand même une certaine chose. Quand, il y a 2 ans et demi, nous sommes allés boycotter le même chef. Mes soeurs étaient, elles étaient là. J'avais boycotté mes soeurs devant Mato Kiraro, Caroline Pégan. Mais pourquoi est-ce que les gens, quand ils ont eu l'esprit de destruction, ils veulent le faire? Et tu es sans ignorer, Bertie, que je ne fais plus partie du groupe de boycott. Ça, il faut le dire aux gens, que je ne fais plus partie du groupe de boycott depuis l'histoire avec Grâce d'État. Il faut dire ça aux gens. Parce que quand on a boycotté Steve Farr en Belgique, Omer de Banjoun, Niad et autres, on a cité le nom de qui? Kamwa, Justine Boukam. C'est le nom qui a été cité. Les gens n'ont pas vu Kamwa, mais ils ont attaqué la dénonce de Kamto. Ils ne représentent pas le combat que Maurice Kamto fait. Ils ne représentent pas. Quand on a boycotté à Nanterre la jeune dame qui chantait Manibela à Nanterre, je n'étais pas là. Justine Boukam était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des mois et des mois à tirer sur la dénonce de Kamto parce qu'il fallait taper sur Kamwa? Alors je n'avais pas mis les pieds. Même chose récemment avec Steve Farr. Alors, au vu de tout cela, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais commencé, évidemment, à dire qu'il faudrait qu'on redéfinisse des nouvelles formes de boycott. On peut boycotter intellectuellement, comme on avait fait d'ailleurs pour Grâce d'État. Parce que les gens oublient, les gens viennent se donner la voix. Les gens oublient qu'on avait appelé longtemps la salle. Si le monsieur Thieu qui avait délocalisé la salle en priorité, c'était parce que nous, derrière, on avait appelé. Et dans les appels qu'on avait faits, on s'était rendu compte que c'était un ancien résistant turc qui venait s'installer en France. Donc pour nous, la victoire même s'arrêtait là le vendredi parce qu'on savait que la salle était déjà et avait été refusée. Mercredi déjà, parce que la salle avait été refusée. Ils étaient à la quête de la salle. Si à la dernière minute, ils n'avaient pas trouvé la salle dans le 91, ça aurait été une victoire. On aurait pu écouter en restant
Quand j'ai voulu expliquer ça aux gens, on m'a dit non. Ils sont menants de l'alternance, c'est comme tout. On a organisé une réunion Zoom, on nous a carrément donné, intimé l'ordre. Ou vous êtes pour les boycotts violents, ou vous faites comme vous voulez, ou sinon, vous n'êtes plus de moi, dit vous allez rester avec votre alternance. Évidemment, Justin Boucan est sorti, je suis sorti de là. Mais pourquoi les gens ne disent pas que tout c'est bleu? Je ne suis plus dans ça. Pourquoi est-ce que les gens ne le racontent pas? Je suis à 800 mètres de Bruxelles. Mon inciteuse qui a dit que j'ai sorti le couteau. Tout à l'heure, j'ai écouté un voice qu'on m'a envoyé où Solo, qui était sur pas, dit qu'il n'y a jamais eu de couteau. Qu'il n'y a jamais eu de couteau. J'ai dit quand même, c'est incroyable. Mais alors, qu'est-ce qui concrète? Je coupe mes vacances. Et les gens me voient à Bruxelles. Est-ce que vous avez demandé à Cathy Waze, à toutes ces personnes qu'on a vues sur la toile s'agiter, à Nitoko, qui connaît toutes mes sœurs, hein? Ce n'est pas un secret. Hein? Et tout le monde la connaît, toutes mes sœurs, puisqu'elles sont au moins passées au moins 10 fois là-dedans. Est-ce que vous les avez appelées pour les demander si moi, quand on m'a vu, une fois ceci qu'à moi, ma sœur va manger là-bas, on va m'appeler qu'à moi. Est-ce que moi, quand moi, j'ai déjà refusé un jour que le roi Bangoula est diffusé par ma famille, est-ce que je me suis gêné à l'eau pour écouter? Les gens étaient en l'air du groupe de boycott. Ils vont faire leur boycott. Et ils disent que tu étais là, tu es venu de combat. À quel moment, ou quand, comment? La personne ne se fatigue pas avec mon nom. Est-ce que c'est Kamwa qui représente quoi au Cameroun? C'est Kamwa qui a fait le gré à gré? Kamwa le matin, Kamwa le midi, Kamwa le soir. Alors, je ne suis pas là, vous arrêtez un peu. Ça commence vraiment à en faire trop. Ma soeur attention va venir m'accuser. Ma femme va dans son va venir m'accuser. On a vu les gens ici les rencontrer, mais Sangane Ndamdi. Pourquoi est-ce que les gens n'en ont pas parlé? On a vu un journaliste appelé Tanqui. Donc on est Tanqui, grand frère. Pourquoi lui on n'a pas boycotté? On a vu Willy Savana, Willy Savana et Bézé, la nièce de Tanqui ici à Paris. On ne sait pas, la nièce de Tanqui. Mais laissez-moi un peu tranquille. C'est quand même incroyable ça. Qu'est-ce qu'il y a avec Kamwa? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis le combat de qui? Quand ce n'est pas le couteau, c'est la seringue. Quand ce n'est pas la seringue, c'est on l'a organisé que j'ai tué des gens à Lyon alors qu'ils sont encore chez moi. Quand ce n'est pas ça, c'est encore l'histoire de 147 000 euros. Mais laissez-moi tranquille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que Kamwa fait? Je vous ai laissé le groupe de boycott. Donc ils ne m'ont pas donné le choix. Ici, ils sont boycott violents. Il n'y a plus d'alternance Kanto. Vous êtes dans l'alternance Kanto, un groupe boycotté comme nous. Si on a cassé, on va casser. Évidemment, nous sommes sortis. Mais ils ne vous disent pas qu'on n'est plus dans le groupe de boycott. Ils ne disent pas. Mais comme il faut détruire Kamwa, il faut détruire. Voilà, il faut parler. Les gens me voient avec le couteau. Moi, j'étais là-bas avec mes soeurs, avec Nia Kaba. Je suis à 800 km de Bruxelles. Donc, concrètement, c'est quand même incroyable, ça. Concrètement, par rapport à ce qui s'est passé hier, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que tu en sais plus? Je n'ai rien à dire parce que j'en sais rien. J'ai dit que je n'ai rien à dire, j'en sais rien. J'ai vu les images, tu vois, j'en sais rien. C'est ça je donc. Je m'occupe de ma famille depuis un moment, j'en sais rien. J'ai été surpris comme tout le monde. C'est moi, pour ça. Moi, on m'a dit qu'il y avait une histoire de couteau. Moi, il y a eu une histoire de couteau. Ça fait un moment que je ne parle plus à Niette à cause de ces histoires avec une autre combattante. Quand j'ai appris ce matin qu'il y a eu une histoire de couteau, je l'ai débloqué, j'ai à l'appeler, appeler. Finalement, même c'est lui-même qui revient vers moi. Vous me dites que c'est faux. Il m'a envoyé sa conversation avec Solo, où Solo dit lui-même qu'il n'avait pas de couteau. Et si tu l'enverrais après cela. Et donc, regarde. Moi, je l'ai appris aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Jusqu'à ce que sur le couteau, tu vois, Joseph, pas moi, mais un poste couteau sur le trou. Mais c'est quand même, là, tu reprends le même sens qu'on a combattu Olivier Tana ici à Nanterre avec. Il me dit jamais de la écoute, vie, il n'y a jamais eu ce bagarre entre eux. Et il m'a envoyé la conversation, merci, je vais te l'envoyer. Et donc, regarde. J'ai écouté la conversation. C'est avant que tu ne viennes. Attends, je ne sais pas si tu. J'ai écouté la conversation, que j'ai dit, mais quand même, c'est quand même incroyable. Donc, même un jour où je ne suis pas là, maintenant, c'est qui sur le couteau? Maintenant, quand on était avec lui, maintenant, quand on combat, mais attendez. J'ai des amis au Canada qui m'appellent, qui me disent, mais il se passe quoi? Au moment où tu es en train de parler, je rappelais ici, je ne sais pas si tu étais déjà là, que ou tu te rends compte ou tu ne te rends pas compte, je prends beaucoup de coups dans le combat pour toi, Kamwa la Panthère. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui m'accusent d'être pro-Kamwa et de te protéger. Quand on défend la vérité, ça devient qu'on protège les gens.
Et voilà, par exemple, quand vous voyez en train d'intervenir dans mon live, voilà quelqu'un maintenant qui commente en disant que je suis complice avec Kamoa parce que quand ça ne va plus, c'est toujours dans mon live qui vient prendre la parole. Ça veut dire que Kamoa et moi, on s'est concerté. Vous voyez les Camerounais, non? Kamoa vient de dire que je ne l'ai pas appelé. On ne s'est pas appelé depuis. Mais là, ça devient maintenant que j'ai fait passer Kamoa dans mon live pour qu'il vienne s'expliquer. C'était la même chose la fois dernière quand il est parti chez Lolo. C'est lui qui vient dans mon live, c'est lui qui choisit de prendre la parole. Je ne vais pas refuser la parole à Kamoa Lapante pour qu'il s'explique. Donc maintenant, même quand je lui donne la parole, Non, ça ils devient oublient, que... qu'il y a quelque temps, tu as fait un live pour tirer sur moi. C'est toujours comme ça, il dit que c'est vraiment de la pure manipulation. J'ai juste envie de dire aux gens ici de me laisser un peu tranquille. Mais si tu m'as posé une question au fond, je t'ai répondu, je n'étais pas là. J'ai un échange aujourd'hui virulent avec Nian qui m'a juré qu'il n'avait pas de couteau, il n'avait pas de preuves. Il m'a envoyé sa conversation avec Solo, où Solo lui-même dit que c'est faux, que les gens sont en train de mentir, que comment les gens disent qu'il avait le couteau alors que lui-même il était là. J'ai même dit à Niat de dire dans un solo de faire une publication parce que tout le monde m'interpelle. On me dit, mais il s'est passé quoi maintenant que tu étais là avec le couteau? Mais c'est quand même incroyable. Merci, je vais t'envoyer cette conversation par WhatsApp. Je vais écouter comment les gens peuvent détruire. On ne peut pas pouvoir s'élever en piétinant les autres. Le combat, c'est quelque On ne chose. peut pas. Le combat, c'est On ne quelque peut pas chose. pouvoir s'élever, piétiner les autres. Ça ne marche pas comme ça. Vraiment, ça me fait pleurer parce que moi, j'ai grandi en Gaoundéré. Avant, c'était Mais la tout le Sérène, maintenant, c'est monde, le alors j'ai couteau. grandi en Gaoundéré où vraiment les gens ne sont pas calculateurs. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un truc que je suis, hier, j'ai suivi comme tout le monde. J'ai tout coupé. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est que j'étais là, je me cachais avec mes soeurs. Je suis à 820 km. Je suis à Mâcon. Mais putain, mais arrêtez ça. Je suis allé faire mes courses ce matin encore à Mâcon, mais arrêtez ça quand même. J'étais encore à l'anniversaire samedi soir. Mais les gens parlent de quoi? Je dois me filmer, je suis dans la ville de Laurent Béhéné. Demandez même à Laurent Béhéné qui m'a vu hier à un samedi matin et qui a fui. Mais comment les gens sont méchants comme ça? Qu'est-ce que vous me voulez finalement? Quand moi le matin, quand moi midi. Et puis là, mais foutez-moi le camp. Mais ça devient quoi finalement? Quand ce n'est pas la seringue, c'est le couteau, ce n'est pas organisé, c'est 145 000 euros. Mais foutez-moi la paix. Non, Vous mais ne suis pas attends, mon bien. Allez faire votre combat. il y a une Les gens chose qui que... viennent sur la toile m'insulter, alors qu'ils savent très bien que je ne suis plus dans aucun groupe de boycott. Ils le savent. C'est pour Ils ça que savent une je fois, dis Joseph dit que... que quand moi pour être absent, alors que Joseph sait que je ne fais plus partie d'aucun groupe de boycott, il le sait. Ils le savent tous. Mais c'est quoi cette mal, c'est quoi cette méchanceté gratuite? Et justement, ce jour-là, quand on était en réunion, j'ai demandé innocemment, mais alors sans arrière-pensée, j'ai demandé que... Mais... Pourquoi on est en train de faire cette réunion aujourd'hui? Kamoa Lapante n'est pas là, Stéphane Tchoumbou n'est pas là, et les autres combattants ne sont pas là. Ils m'ont dit que non, tu es Berti, tu as oublié. Kamoa Lapante ne fait plus partie des boycotts. Donc on l'a sorti dans le truc. Kamoa n'est plus dans le truc de boycott. Moi, j'avais demandé comme ça sans m'arranger. Ils m'ont même accusé ce jour-là que je suis en train de poser une question et peut-être c'est comme si je veux ramener du désordre. Non, j'ai dit non, moi je ne savais pas. Sauf que tu es arrivé quelque part, on te dit les combattants se sont réunis. Pour trouver une solution par rapport au boycott des artistes. Je ne vois pas Kamoa Lapante, qui est une figure du combat. Je ne vois pas Stéphane Tchoumbou, c'est la question que j'ai posée. Ils ne sont pas là pour toi. Exactement. Et ils m'ont dit Et non, voilà ce qui s'est tu passé. sais que Voilà ce qu'ils voilà. tous le savent tous. Ils le savent. Voilà exactement. Est-ce que Mais. tu t'es entendu pour dire ça? Voilà ce qui s'est passé, Bertie. Mais ils m'excusent de tous les groupes parce qu'ils nous ont décidé, actuellement, si tu captes ou pas, on va faire des boycotts violents. Il n'y a rien. La justice, vous pouvez me sortir. J'ai naturellement suivi. J'ai dit que maintenant, nous, quand on ne fait pas, on nous suit sur la toile. Personne n'est là pour nous défendre. Les gens directement n'est pas de venir bloquer parce qu'ils veulent nous attaquer. Ça, c'est l'exemple de Camp que vous voulez. Ça. Tout le monde, les Parce grands, les que... généraux, les téléphones deviennent bloqués. Les pages bloquées. Personne pour nous défendre. On n'était pas au truc de Steve Farr. Mais qu'est-ce qu'on a attaqué? On a oublié Omer de Batoun. On a oublié William. Mais c'était Kamoa. Kamoa. Parce que quelqu'un a osé dire à la fin, bravo, respect au général Kamoa. Les gens nous ont attaqué dessus, juste en oubliant le combat, juste en oubliant même ce qui s'est passé. Jusqu'à ce moment, toi-même dit, c'était un simulacre. Qu'il n'y a pas eu boycott, que c'était un arrangement. Non. Il a fallu que Brice Bertol réécrive, remette le film pour que les gens commencent à comprendre. Mais c'était bashing, bashing. Maintenant, je ne suis pas laissé mon nom tranquille. Je ne suis pas Paul Biya. C'est votre combat. Les gars nous ont mis dehors du boycott que moi-même j'ai initié.
Aujourd'hui, je leur fais croire que j'étais absent, alors qu'ils savent très bien que je ne suis dans aucun groupe de boycott. Tout ce qui se tramait, tout ce qui se trame, que ce soit au cœur prédit, au cœur branli, je n'étais pas au parfum, parce que je suis dans aucun groupe avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas la vérité aux gens? Mais comme ils veulent me bâcher, mais du temps, moi, bâcher, il faut faire croire que j'étais informé. Parce que quand Joseph dit que quand moi, j'étais absent, c'est comme si j'étais en courant d'une préparation. Il faut qu'ils disent aux gens que quand on ne fait plus partie de leur groupe de boycott, ils avaient dit boycott très, très violent. J'ai dit non. Avant que tu n'arrives. Avant que tu n'arrives dans le live, moi j'étais en train de dire ceci. Moi j'ai appris dans ce combat, j'ai appris dans ce combat à prendre un peu de recul sur certaines choses parce que j'ai pris du recul, j'ai pris avec le haya haya, je suis tombé sur certains trucs à un moment, je me suis rendu que ce n'était pas. Il y a peu de combattants qui disent la vérité. Très peu. Et donc je me suis rendu compte, j'ai dit non. La prochaine fois, je prends le temps de bien. Ce qui fait que, en ce qui concerne ce problème, quand j'étais en train de parler, je dis bien pendant 1h24, je n'ai pas parlé de Kamoua la Panthère. Il y a un combattant qui m'a rappelé, Paul Régio Tanonkou, que mais Betty, tu as annoncé deux parties. Tu ne fais que parler d'une seule partie. C'est là où il dit non, j'arrive, j'en viens, je veux parler de ça. Mais c'était sous la forme interrogative. Qu'est-ce qui s'est passé alors que le même Kamoua la Panthère était au boycott de ce même chef Bangoula qui est son chef, qui n'a jamais caché que ce chef-là fait partie de sa famille, qu'il a boycotté, mais qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, Kamoua la Panthère et Niak étaient là pour les protéger. Ça, c'est l'information que je dis bien en suivant une interview de Solo Boumaï qui te cite à l'intérieur. Mais comment se fait-il que toi, tu sois cité alors que tu es à 800 km de Bruxelles? Pour ça que ce combat, on a tellement de personnes qui disent souvent une chose et son contraire. C'est pour ça que j'ai dit que il faut faire une sortie publique pour expliquer les choses. Et même pendant que tu es là en train de t'expliquer, il y a deux commentaires là, je crois, d'une personne qui dit comment. Oh, tu viens comme par hasard t'expliquer dans mes lives. Autrement dit, moi-même, je suis complice. Donc, vous voyez comment moi-même, je prends des coups à distance alors que je n'étais même pas au courant de ce qui s'est passé. J'ai appelé Cathy Weiss hier pour savoir ce qui s'est passé. Cathy Weiss n'était pas présente. Elle n'a pas répondu au téléphone. Je me suis dit peut-être qu'elle allait me rappeler. Je n'ai pas plus d'infos. La journée, j'étais sur Paris pour la réalisation d'une interview concernant les migrants et tout. Je suis parti de là, je suis allé à mon boulot, me voici à mon boulot. Je ne comprends pas comment, entre-temps, on me dit qu'il y a eu deux lives, celui de Cathy Weiss et celui de Omer de Banjoun. Je n'ai pas suivi ces lives, la raison pour laquelle la seule référence que moi j'avais, c'était la sortie de Solo Boumaï. Et je précise encore ici que j'ai dit que soit je vais appeler Kamoua lui-même, soit je vais appeler Omer de Banjoun pour avoir un peu plus d'informations. Et ça tombe maintenant que Kamoua la Panthère arrive dans le live et il veut prendre la parole. Donc, je te laisse conclure. Oui, Bertie, je voulais juste te dire sincèrement, je ne suis pas, je dis bien, je ne suis pas comptable des actes des membres de ma famille. Parce que ici, là, on sait très bien que quand on fait des marches, il y a beaucoup de combattants qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on les affiche parce qu'ils veulent aller au Cameroun. Moi, je vois tout ça. Il y a des couples où le mari est du RDPC et que la femme est du NTF. On ne va pas séparer les couples par rapport à ça. Je voulais encore dire, voilà donc, cette jeunesse, on s'est levé, on a fait beaucoup d'erreurs au départ. Nous tous, d'ailleurs, moi-même, inclus en premier, on s'est frictionné, on s'est tapé. Mais vous pensez que justement, c'est avec cet esprit-là qu'on va avancer, qu'on va diriger au Cameroun? Vous pensez que l'esprit de la Renaissance, c'est de priver une partie de la population en disant que tiens, ah, son oncle est quand même un sardinat, hein? Son oncle est quand même un sardinat. Enfin, ce roi l'a toujours dit, si son père est le plus gros des sardinats, il ne va jamais régner son père, c'est son père. Il a toujours dit, il a toujours assumé. On peut pardonner à certaines personnes ces attributs-là, mais comme c'est comme on va profiter, on va me prendre à Macron, à l'opposé, pour me mettre à Bruxelles, jusqu'à mentir, pour dire que j'étais avec Naron avec le couteau. Je vais t'envoyer, Bertie. Je vais t'envoyer. Je te permets même de diffuser ça. La conversation que Niak m'a envoyée. Parce que moi, je suis en train de monter contre Niak. Il m'a envoyé la conversation qu'il a eue avec Solo Boumaï, où Solo dit que c'est faux. Que Niak n'a jamais eu le couteau. Mais c'est quoi ce bashing-là, sincèrement? Vous pensez qu'on peut justement penser le changement, d'être aussi vivant, être tué dans cette violence verbale, dans ce sabotage qui n'a pas de nom? On ne peut pas, en voulant s'élever, détruire les autres. On ne peut pas.
On ne peut pas vouloir s'élever et détruire les autres. Ça ne marche pas comme ça, non. J'ai suivi. Lève-toi, fais ton truc de côté, laisse les autres. Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi le live aujourd'hui de Sandy de Boston où elle annonçait que les agents de Mbamqui ont été quoi ou c'est quoi détectés et que les visages sont, les masques sont tombés? Est-ce que tu as suivi ce live-là? Est-ce qu'elle faisait référence à toi ou à quelqu'un d'autre? Parce que j'ai vu. En tout cas, je n'ai pas suivi son live. En tout cas, je ne m'appelle pas Boris Bertol. Je n'ai aucun contact avec Mbamqui. Je n'ai aucun. Je m'appelle pas Winnie Savannah. Je n'ai pas élevé la lumière de Mbamqui. Donc, je n'ai pas suivi son live. Donc, si elle a les preuves de ce qu'elle avance, il faut juste qu'elle vienne les donner. Mais tu sais, c'est trop facile. Si je n'avais pas intervenu dans ton live aujourd'hui, il y a peut-être 150 personnes qui seraient parties en pensant que j'avais le couteau et que j'étais à Bruxelles. En fait, c'est trop facile un peu de vouloir détruire les gens. Moi, je te le dis encore, je vais t'envoyer la conversation de Niak et Solo, où Solo dit clairement que Niak n'avait jamais le couteau, qu'il n'y a pas eu pas mal. Voilà donc, s'il y a des preuves, j'ai toujours dit. S'il y a des preuves à ramener sur la toile, vous mettez. C'est trop facile d'accuser les gens. Non, comme mais ça, attends, je lis ici que ni Annie Choco, ni Cathy West, personne n'a parlé du nom de Kamwa la Panthère. Mais d'où vient alors les gens qui disent que Kamwa et Niat avaient le couteau? Il y a une affaire de couteau qui a été partie sur la toile. Voilà donc ce que je suis en train de te dire. Voilà donc la manipulation, tu vois donc. Donc, si on peut intervenir dans ton live aujourd'hui, il y aurait eu 150 personnes. Qui aurait mis dans la tête que je suis allé défendre le roi, comme il dit le roi Sardina, en voulant blesser le combattant avec le couteau. Voilà donc la manipulation. C'est-à-dire que je suis un Macon. Mais sur ce pèse, Macon, Charleroi me calcule. Pas que je suis caché, les gens m'ont vu. J'ai croisé Laurent Béhéné. Il travaille à Leclerc Macon, samedi matin. Je suis un Macon. Le soir, je suis là à l'anniversaire avec mes enfants. Mais c'est comment je serai un peu tranquille un peu. Quand on le matin, quand on vous dit, j'ai l'homme sur le mur de Mado Kéraro, quand on a parlé de ça, le gouvernement dit donc qu'il a débloqué Mado Kéraro parce qu'il fallait enfoncer Kamwa. Il fallait enfoncer. Tous les faux profits sont sortis. Les gens qui ont dit qu'ils ne sont plus dans les boycotts, ils ne vont plus rien faire. Le combat est mort en diaspora. Ils sont devenus les meilleurs commentateurs. Mais quand il y a Kamwa, il faut taper. Je n'étais pas levé ici là pour dire, si quelqu'un a la preuve que j'ai acheté de l'eau tuée à Lyon, il faut aller porter plainte. Si on n'était pas énervé pour ça, cette mensonge, cette manipulation aurait continué. En fait, alors que j'étais chez moi, on me voyait à Lyon en train de l'agresser. Mais par contre, quand Justin Boukam s'est plaint, la plainte est sortie tout de suite, entre une plainte où on t'insulte ou une plainte que quelqu'un t'a menacé de mort, organisé par mort. C'est quel est-ce que le criminel? Le mensonge, la manipulation, sans compter la sirène que j'ai voulu empoisonner les gens avec. Sans compter l'argent que j'ai reçu. Voilà comme exemple patent. Qu'est-ce que vous me voulez? Les gens qui me disent on te retire du combat du groupe de boycott parce qu'on ne veut plus que la dernière de camp va nous dire ça. Oui, il ne faut pas qu'on dit, il ne faut pas. Ou vous êtes avec nous à 200% pour le boycott. Ou même si on veut arriver à la mort, on le fait. Et quand on dit non, ils nous mettent dehors. Aujourd'hui, il faut croire aux gens que nous, on est au courant, alors qu'ils savent très bien que j'étais au courant. Même le boycott au cœur par lui, j'étais pas courant. Parce que je ne suis plus parti du groupe. Et toi, tu l'as dit, ils ne t'ont pas donné des explications. Avant que tu arrives doucement dans ce zoom-là, je suis mon était sorti, je suis sorti. Qui dit ça avec ton genre? Ils m'ont fait croire que quand moi j'étais absent, on va me battre absent, comme si j'étais au courant. Alors qu'ils savent très bien que j'étais pas courant. De la manipulation. Dois-je être comptable? Dois-je être comptable des actes de mes soeurs? Mes soeurs sont des princesses d'Angoulême. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Comme elles sont aussi libres, elles assument qu'on vient boycotter chez elles. C'est ça qui est la question. C'est prendre le risque d'accueillir leur père. Elles peuvent aussi être sûres qu'on peut venir boycotter. Est-ce qu'elles se sont prêtes par rapport à ça? Mais pourquoi ne vous verrez ça? Pourquoi pas laisser tranquille un peu? Je vais déchirer l'acte de naissance de mes beaux enfants ou peut-être de mon premier fils parce que sa mère du RDPC. Mais vous parlez quoi? Songez qu'un Cameroun. Pourquoi on va marcher contre nous? On vous a dit qu'on est là dans la résistance pour un pays que de Sardinat ou de Tontinat, que de Bamileke. C'est un pays où il y aurait tout le monde. Mais arrêtez de voir la matin. Quand moi le matin, quand moi le midi, quand moi le soir, quand moi. Est-ce que Olivier Tchanan est encore là? Olivier Tchanan qui accusait les Bangante
du combat, d'avoir apporté le tribalisme dans le combat. Avant, il n'y avait pas de tribalisme, mais c'est à cause de Kamwa et les Banganté du combat, que le tribalisme est entré dans le combat. Et cela oublie, j'ai lu encore Mike Dongo dans un commentaire, encore les Banganté, le même mot que Mike Dongo dit depuis 4 ans, les Banganté, et c'est relayé par les mêmes personnes qui ne disent jamais que ce propos-là, c'est tribaliste, effectivement. Les Banganté. Voilà du pur tribalisme à l'état pur. Les gens ne voient pas ça. Mais oh tiens, ça ne me concerne pas, c'est comme moi. Encore un commentaire. De toute façon, je vais faire une sortie claire là-dessus. J'évitais de faire la sortie parce que je me suis dit que ça allait fragiliser ceux qui sont pour le boycott. Je vais faire une sortie là dans les prochains jours. Ça, c'est clair et net. Parce que ça commence à bien faire. Ouais, Bertie, je t'envoie les voix. Pour finir, je vais t'envoyer les voix de la conversation que j'ai eue. Tu peux les écouter, tu peux même les mettre en live. Les gens vont écouter. Parce que c'est trop facile de venir mentir et dire que j'avais le couteau avec Niak contre les combattants. C'est faux. Je t'envoie les voix tout de suite avec écoute. Bonsoir à tes auditeurs. J'ai assez perdu de temps là. Même en vacances, je ne peux même pas profiter mes enfants. Je suis obligé de crier au camping. Bonne soirée, Bertie. Je t'envoie les voix ça tout de suite. Ok, bonne soirée. Combattant, MCD Simdi, j'ai suivi le boycott. Kamwa n'était pas présent, mais sa famille qui est concernée. D'où vient alors donc le nom de Kamwa avec le couteau? Rignat a pris le couteau. Ça dit que ce combat si souvent. Si tu ne te méfies pas, heureusement, tu ne prêtes pas attention, tu tombes dans des manipulations. Kamwa donc dit qu'il n'était pas là. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut prendre la parole? Si quelqu'un veut prendre la parole, je donne la parole à une personne et puis je vais clôturer le live. Ça fait presque 2 heures que je suis là. Non. Niad Barano, je n'ai pas de voice inbox. Bon, si lui fait son live, comme il a annoncé, quand il va faire son live, il va mettre tous les voices à l'intérieur. Pour l'instant, je n'en ai pas ici. Dans mon WhatsApp, je n'ai pas de... Comme... C'est Solo Boumaï qui parle. Hein? En tout cas. Voilà. Ouais. En tout cas, bon, il parle en banganté, hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Thank you.
Il y a Mes Cathy qui dit que en fait il y a Mes Cathy qui dit que en fait les gens ne se plaignent pas du couteau et que c'est une manipulation de la part de Kamwa et son frère Nyat, mais qu'en réalité les gens se plaignent plutôt de la sœur de Kamwa qui est elle-même une combattante mais qui a choisi d'accueillir chez elle un roi Sardina qui c'est un oncle de sa famille ou son père ou je ne sais qui est dans le strict cadre privé, c'est son droit de l'accueillir. Les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais si c'est peut-être dans un cadre peut-être public, ou comme récemment, ils se préparent, je crois, d'ailleurs, il y a une fête où il y aura tous ces rois Sardina Bamileke, c'est l'occasion de les boycotter. Bon, s'il y a ceux qui ont fait maintenant le choix d'aller les boycotter là-bas à Bruxelles, je crois qu'on a dit un truc, il y avait d'abord une salle, et puis finalement, ils ne sont plus allés dans cette salle. Et qui sont allés le boycotter donc à domicile. Donc les gens se plaignent plutôt du fait que la sœur de Kamwa Lapanté, étant elle-même une combattante, se plaint. On se plaint d'elle parce qu'étant combattante, elle a boycotté, elle a refusé, elle a empêché les combattants de boycotter son père, roi Sardina. Donc voilà une autre chose. Et que l'affaire de couteau et autres, c'est Kamwa et son frère qui ont mis ça dehors pour essayer de distraire les gens. On va tout entendre dans le combat. Moi, je veux laisser le voice, ce n'est pas trop long. Le seul truc, que c'est qu'il parle en Banganté. Mais le point, c'est qu'un communiqué, tout le monde, il est lucide pour une plante. Il y a le couteau. Quel couteau? Tout le monde. Tout le monde a un sardinat dans sa famille. Évidemment. Même ton communication, moi, j'ai tout. Non, mais moi, je suis un question de premier, pourtant ma communication, moi, ça, c'est pas normal. Ah, Simon Obissi, qui dit toujours comme ça. Depuis qu'il dit que tu la trouves là, tu es là. Avec moi, avec la police. C'est ma mère, papa. Ah, ma Seigneur. Et donc, maintenant, les Sardinas et autres vont s'emparer pour expliquer que non, il y a eu une affaire de couteau. L'affaire de couteau vient d'où? Puisque moi je comprends ce qu'il dit, moi je suis quand même ce qu'il raconte là, je suis en train de comprendre. Lui-même témoigne que non, il n'y avait pas de couteau là-bas. C'est Solo Bouma qui dit il n'y a pas de couteau. Ce qu'il dit là, je comprends, c'est proche du Banganté, du Tonganais. Parce que ceux qui ne savent pas, Bougo qui dit là, ou que dit Maba ton feu, parce que moi je suis chef à Tonga. Maba Ibitwa, il y a eu mon BPC au lycée classique de Tonga. Donc, quand il parle là, moi, je comprends. Maïs Kati demande le chef Sardina Bangula faisait quoi chez eux. Depuis des années qu'on dit ça, c'est le membre de leur famille. Il n'y a pas de Sardina dans ta famille. Moi, dans ma famille, il y a le Sardina. Vous m'avez vu aller chasser ma soeur qui mange avec les gens à Yaoundé parce que c'est une cousine de la famille avec qui on a grandi, qui a une sardina plus. Il y a les sardinas dans toutes nos familles. Mais Katis, toi qui es cassé derrière un faux profil, tu veux nous faire croire ici qu'il n'y a pas de sardinas dans ta famille. C'est un membre de leur famille, ils sont de la de princesse Bangula, ils sont de la famille de Bangula du roi. Donc si toi, le sardina est dans ta famille, tu vas refuser de côtoyer ce sardinat-là. Combien de vous là qui parlez êtes en contact permanent avec les sardinats? Il faut arrêter de venir jouer l'hypocrite ici. Donc voilà ce qu'il reproche donc à la sœur de Kamwa, qu'elle en tant que combattant n'a pas le droit de recevoir chez elle son oncle ou son père qui est le roi de Bangula. Donc si je comprends bien, voilà le problème. Moi ça ne me concerne pas. Ceux qui veulent aller boycotter, qui boycottent. Le jour qu'on se lève, on s'attaque au Bamileke, vous allez me voir devant. Le reste, ça ne me concerne pas. En tout cas, parce que c'est mon père, je suis mon papa, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que je n'ai pas tout mon Facebook. Il y a quel couteau. Même si vous voulez détester quelqu'un, vous allez mentir sur son nom. Dites au moins la vérité, quel couteau. Ouais.
Abyssinie, je cherche encore, je cherche la deuxième. Il faut qu'elle soit belle, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit kémite. Oui, allô, Solo. Il faut beaucoup de conditions. Mais Solo, regarde, Solo. L'affaire du couteau, là. Hier, quand je suis venu, hier, quand il était là, tu vois, il avait un couteau à ma main. Allô? Joseph. Hey, mais c'est là partout sur Facebook. C'est pas toi qui étais devant moi avec la police. Ouais, Solo. Ouais. On peut détester quelqu'un comme ça. Il a une façon de parler, c'est là. On peut détester quelqu'un comme ça, il va te raconter partout avec mon couteau. Bon, les trois voices sont terminées. Donc, vous aurez donc compris que Solo Boumaï lui-même qui était là dit qu'il n'y a pas eu de couteau. Bon, maintenant, s'il y a des gens qui disent qu'il y a le couteau, moi, voilà ce que j'ai comme information. Si les gens peut-être ont d'autres informations et qui sont vraiment sûrs qu'il y avait ce couteau, je serai en live encore demain qu'ils appellent et qu'ils disent à quel moment il y a eu le couteau dedans et surtout à quel moment Kamo a été là. Lui-même dit qu'il était à 800 km. Le combat, vraiment, bon, soyons courageux, c'est tout ce que je peux dire. Ce qui nous attend là est très fort. Le gré à gré qui se prépare, modification de la constitution, par des députés pour créer un nouveau poste et installer quelqu'un qui va prendre le relais de Paul Biya. Tous ces trucs qui sont en train de se tramer là, on est dans les histoires de boycott de couteau. On est dans les histoires un genre. On continue. Et ce qui nous attend est très lourd. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se concentre au maximum parce que ce qui nous attend, c'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort. Ce qui vient là est dangereux. J'en profite pour saluer mon grand frère Cyril Kemenye, le brillant écrivain qui a d'ailleurs commis un livre il y a quelques jours. Malika, j'espère te rencontrer très vite pour avoir un exemplaire dédicacé du livre Malika. J'ai lu déjà plusieurs de tes ouvrages. C'est un brillant auteur qui fait un travail formidable. Donc, j'avais présenté ces bouquins que j'ai déjà lus ici et je ne vais pas hésiter d'acheter l'exemplaire dédicacé par l'auteur lui-même, Cyril Kemenye, le titre Malika, le livre sur Malika. Et j'aurai toujours le plaisir, après lecture ici, de vous présenter l'ouvrage pour vous permettre davantage de, n'est-ce pas, pour vous le recommander, n'est-ce pas? Bon, merci à vous qui avez pris le temps de regarder le live. C'était votre frère, l'imperturbable négrothérapeute, justement, parce que notre peuple est très malade. Il faut des gens comme moi. Il va falloir en former au maximum des négrothérapeutes pour être au chevet de ce peuple-là. C'était donc l'imperturbable négrothérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera une puce, c'était votre frère Bertie, le Kamite, au TEP. Vie, force et santé à vous. Merci à ceux-là qui ont partagé.